شكرا جزيلا، شكرا سي الحسن، شكرا. Est-ce qu'on va commencer immédiatement ou là vous avez besoin de 5 minutes de vous reposer? Qu'est-ce que vous me suggérez, sey الحسن? On enchaîne et là, mon Oustad Aziz. Ah, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que les intervenants ils sont présents? J'ai dans la liste Monsieur Fanissé d'Ormba Tafilelt, Monsieur Bachar. Oui, de l'Agence nationale du bloc. Il y a un problème. Allô? Allô? On vous entend 2/5. 2/5. 2/5. Je ne sais pas. Alors, là, je change d'endroit. Maintenant, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ah, vous entend. Ouais, c'est bien maintenant? Ah, oui. Donc, il fallait bouger. Donc, est-ce que les intervenants, ils sont là, les cinq? Donc, M. Fanissé, M. Bachar et M. Mahboub, ils sont là? Ils sont avec nous? احنا معكم استاذي تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم دونك الاستاذ فتوحي concernant Fanissé c'est moi-même mais j'ai pas de présentation à faire et je vais participer je l'ai dit déjà c'est Hassan Kabiri j'ai pas préparé d'exposer à partager avec vous. Ah bon, c'est très bien. Donc, est-ce que vous allez intervenir dans le débat ou bien vous allez intervenir sans présentation PowerPoint ou est-ce que vous allez intervenir dans le débat ou bien vous allez, on peut commencer par vous pour quelques réflexions concernant l'intitulé de votre exposé? Moi, je vous suggère que les exposés, les gens qui ont préparé déjà les exposés, qu'ils les fassent et on va discuter, donc on va intervenir dans le débat. D'accord. Donc je vais vous donner là. Oustad Ftouhi. Tfaddal. Oustad Karimi a عنده شي طريق غادي يمشي الى ممكن تسبقو. Oustad Karimi Saïd. Oustad Karimi Saïd. Oustad Karimi Saïd. D'accord. Donc immédiatement, dans la première partie, on a parlé un peu des enjeux de développement et on a vu qu'il y a beaucoup des enjeux. Il y a beaucoup de priorités. Maintenant, on doit, comment on peut concevoir une stratégie de développement d'Oasis? Est-ce qu'il y a une vision? Quels sont les axes prioritaires? Comment on peut travailler? Et comment on fait de la synergie entre cette stratégie et les autres stratégies? Voilà quelques, peut-être, questionnements pour un peu... animer le débat, mais aussi j'espère que les intervenants vont justement essayer de répondre à quels sont les éléments de cette stratégie de développement d'Oasis à partir. Donc, nous avons un temps de presque 90 minutes. Il y a deux intervenants, donc nous aurons assez de temps. Donc, je donne la parole immédiatement. Tfaddal Sy Karimi, je m'excuse. Monsieur Karimi représente quelle institution, Saïd? أستاذ الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية والرئيس فرع اتحاد كتاب المغرب. مرحبا إذا أنت جمعتي ما بين الآداب وما بين البيئة وما بين العلم. تفضل. شكرا للسيد الرئيس شكرا ايضا لجميع شكرا كما قلت للسيد الرئيس شكرا ايضا لجميع المتدخلين في هذه الجلسة الثانية وكذلك شكر موصول لمن تدخلوا ايضا في الجلسة الاولى وحضروا مداخلتي سيكون لها علاقة مباشرة بالثقافة في علاقتها بالتنمية بجهة درعا تافيلالت وخاصة من المناطق الوحية عموما ولكن درعا تافيلالت على وجه الخصوص ذلك أن يعني الحديث عن النموذج التنموي والحديث عن التنمية في علاقتها بالواحات لا يمكن في اعتقادي أن تتم دون أن يكون للثقافة حضورها الوازن والفعلي
ذلك أن الثقافة غالبا عندما نتحدث عن الثقافة فتعتبر دائما هامشا، تعتبر دائما مرتعا، تعتبر دائما يعني شيئا يعني آخر ما يمكن أن يفكر فيه هو الثقافة. والحال أن يعني حتى المجتمعات المتحضرة، عندما نضرب المثل بالمجتمعات المتحضرة، فنحن نركز دائما عن الثقافة وعن الأبعاد الثقافية والحضارية، عن الإرث التراثي الأنثروبولوجي والإثنولوجي، عن الإرث المعماري المادي ولا مادي، هذا يعني، وكذلك على مجموع الأنساق التي تؤثث هذه الثقافة. وعندما نتحدث عن المناطق الواحية شبه الصحراوية، عن منطقة تفيلات على وجه الخصوص، فأنا أؤكد أن مستقبل هذه الواحات ومستقبلها التنموي في ماضيها، وهذه ليست دعوة ارتدادية ورجعية للماضوية، وإنما لتلمس مختلف الأسس الثقافية والحضارية التي قامت عليها المناطق الواحية. لأن الواحات ليست فقط نخيل وأشجار زيتون وسدر ورمال، لا، الواحات هي ثقافة أولا وأخيرا، ثقافة بأبعادها المختلفة، الأمازيغية والعربية والإفريقية، وأيضا لأن حتى الواحات هي مناطق عبور، وبالتالي كانت هناك ترسبات لثقافات ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، بما في ذلك الثقافة العبرية أيضا التي تركت بصمتها واضحة على مستوى العادات والتقاليد والأعراف، وأيضا على مستوى الصنائع وعلى مستوى الحرف وعلى مستوى الفكري والفلسفي لسكان هذه المناطق، الذين هم بسطاء في طبعهم ولكنهم أيضا عميقون بشكل كبير في تمثلاتهم للحياة وللكون وللإنسان وللمجال. وبالتالي بات من الضروري أن يعني أن نثمن ونرسمل هذا البعد الثقافي. يعني عندما نتحدث عن الثقافة فنحن نتحدث عنها بشكلها الموسع، بمعنى أنها تشمل يعني نمط الحياة، عادات تقاليد أعراف، تشمل أيضا اللباس، تشمل الأكل، تشمل كل شيء يعني يكتسبه الإنسان، فخارج كل ما هو طبيعي فهو ثقافي. وبالتالي هذا الغنى وهذا التميز الذي يطبع ساكنة الواحات يجب أن يثمن، ويجب أن يوثق أيضا، لأن هناك أيضا تراث شفهي متميز في هذه المناطق، سواء كان أمازيغيا أو عربيا. هذا التراث للأسف الذي يعني حينما تحدثنا في الجلسة السابقة عن يعني الخطر الذي يتهدد القصور ويتهدد القصبات، يعني أمام زحف الإسمنت وزحف هذه المدن النمطية الحديثة، فهناك أيضا تهديد حقيقي للتراث اللامادي، للتراث الشفاهي، بفعل يعني تنميط الثقافة على المستوى العالمي، بفعل أيضا الدعوة يعني بفعل هذه العولمة التي اجتاحت العالم والتي أثرت بشكل سلبي أيضا على تنميط الثقافة وعلى تقديم أنماط ثقافية جاهزة لا علاقة لها بشخصيتنا ولا بهويتنا ولا بإنسيتنا ولا بحضارتنا الواحية الشبه الصحراوية. إذن هذا ما يدفعنا إلى ضرورة أن يعني أننا نؤكد على ضرورة التشبث بهذا العمق في مختلف تمظهراته، في ضرورة توثيق التراث الشفهي الأمازيغي والعربي، وفي ضرورة جعله أيضا متاحا للباحثين ولمختلف المهتمين، لأن هذا التراث
يشكل في الحقيقة ذاكرة جماعية، هذه الذاكرة الجماعية التي يجب الحفاظ عليها على خصوصيتها، لأن قد نجد عندما يعني تغيب الوثائق في بعض الأحيان، حتى الوثائق التاريخية، نلجأ إلى 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 التراث الشفاهي، إلى الأغاني، إلى الأهازيج، إلى الشعر على وجه الخصوص. وعندما نتحدث عن الشعر بمختلف أنماطه المتميزة ومزيغية أو عربية، يكفي أن أذكر بأن شعر الملحون مثلا، الذي يعني هو شعر فلالي نشأ بتفيلالت، وترعرع أيضا بتفيلالت كل يعني، ثم بعد قبل أن يهاجر إلى مكناس وفاس، ثم الرباط ومراكش وأزمور وتردنت، وشعراء الملحون أغلبهم فلالة. عندما نتحدث عن سيدي التهامي المضغري، عن المغراوي، عن الجلالي متيرد، عن لائحة طويلة وعريضة من كبار الشعراء الذين نعتز بهم، ونعتز أيضا بهذا التراث الذي يترافع المغرب اليوم عن جعله تراثا عالميا. وبطبيعة الحال هذا الغنى وهذا التمييز أيضا يكمن في تعدد الفرجات الشعبية الواحية التي تعكس أيضا التنوع الثقافي والتنوع الإثني الواحي. إذن وعموما، فعندما يعني نجول في مختلف الواحات والقصور والقصبات، فإننا يعني نجد أنها غنية ومتميزة بتراثها الثقافي الثر، بتراثها الثقافي المتميز الغني. ويعني عندما نقف عند بعض هذه الأنماط الثقافية الفرجوية، مثل أحيدوس مثلا الذي يميز القبائل الأمازيغية، سواء يعني في ضرعتها فلت على وجه عموما، وفي المغرب ككل، وأيضا بمنطقة فلت، فإننا نجد أن هناك تمايزا واختلافا جوهريا وعميقا وغنيا بين قبائل مثلا أيت عطا، وبين أيت مرغاد، وبين أيت غرشن، وبين كل المفاصل القبلية لأيت زدق، أيضا على مستوى اللباس، أيضا المرأة الفلالية، المرأة يعني الأمازيغية لباسها أيضا متميز. أيضا عندما نتحدث عن الوشم، التتواج الذي أصبح اليوم موضة، والذي كان يميز المرأة الأمازيغية على وجه الخصوص، التي استطاعت أن تحافظ على هذا التراث الغني، على تيفيناغ، على حرف تيفيناغ في لوطابي وفي لوطاتواج وفي مجموعة من النقوش أيضا، التي تتبدى في بعض مظاهر زينة النساء وزينة أيضا حتى العمران. وبالتالي عندما نتحدث إذن عن البعد الثقافي الواحي، فنحن نتحدث عن إنسان هذه الواحات، ونتحدث أيضا عن الخبرة التي راكمها، وعن عن 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 النصوص التراثية التي يجب أن يعني أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجذ، لأنها ليس للأسف لم توثق، وبقيت يعني في ذهنية بعض الكبار السن من النساء والرجال. لكن هؤلاء النساء والرجال أكيد أنهم سيغادروننا إلى دار البقاء، ولكن سيغادروننا أيضا مع هذا التراث الغني الذي يحملونه، لأنه كما يقول أيضا أحد العلماء الأنثروبولوجيا الماليين، وهو أمباتيبا، كونت أن فيو أفريكان مور سي أون بيبليوتيك كي برول، فعندما يموت إنسان إفريقي فالأمر يتعلق باحتراق قمته. وبذلك ندعو إلى ضرورة صون هذه المكتبات عبر توثيق هذا التراث والحفاظ عليه، واجعله أيضا أمانة نوصلها إلى الأجيال اللاحقة. وفي أيضا يجب أن نعمل على توثيق أيضا يعني الفرجات الشعبية لهذه المناطق الواحية، وأن يعني نسعى إلى
أن نتبنى يعني مقاربات شمولية تجمع الاقتصادي بالثقافي بالسياسي حتى نحقق ذلك المبتغى التنموي parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. ولا يمكن أن نستند على الاقتصاد أو نستند على مقاربة واحدة ووحيدة لكي نتحدث عن تنمية هذه الواحات. فالواحات إذن محتاجة لمقاربات متعددة، مقاربات مندمجة ومختلفة تمكننا في نهاية المطاف في مساهمة في بناء المغرب المستقبلي، المغرب الممكن، المغرب الذي نحلم به جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الأستاذ السكريمي، فعلا عالجتم نقطة مهمة جدا تتعلق بالثقافة، فمن خلال دخلاتكم من خلال ياك تسمعوني مزيان الإخوان؟ نعم شكرا. من خلال مداخلتكم القيمة طرحتم مسألة أساسية، الثقافة ذاكرة جماعية يعني تستوجب الحفاظ والتتمين في أي مسلسل تنموي. التراث بمكوناته طبعا المادية وغير المادية، منطقة تافيلال تعتبر مرجع وتعتبر خزان بهذا التراث الثقافي. رسالة جميلة جدا، يعني مستقبل المجالات الواحية يعني يكمن في ماضيها، إذن يجب أن نزيل الغبار عن هذا الماضي وأن نرى هذه الثقافة متعددة الروافد في أمس واليوم، وأكيد سيكون لها تأثير في الغد. الواحات تتميز بساكنة بسيطة ولكن بغنى وبعمق وبتراكم ثقافي متعدد. إذن هذه مؤهلات للتنمية، مؤهلات للحفاظ على هذا الوسط وهذا التراث. إذن هناك ضرورة في أي مسلسل تنموي لرسملة هذا المكون بمختلف عناصره. هناك شيء كذلك مهم جدا، إذن هناك حاجة للترافع من أجل هذا التراث الثقافي وحمايته وتتمينه، ومسألة مهمة، نحن مستأمنين على هذا التراث الثقافي، إذن يجب التوثيق، يجب التوثيق، يجب التوثيق حفظا للذاكرة وحفظا لمادة أولية، إن سوس إن ماتير بروميير بور تو ديفلوبمون دورابل ديال هذا ليزيكو سيستيم، اللي أنا بصراحة لا أقول ديزيكو سيستيم يعني فولنيرابل، ولكن سو سون ديزيكو سيستيم تري ريشي تري سوليد افيك ce passé, ce cumul culturel. شكرا جزيلا الأستاذ السكريمي، والآن سأكون سعيد لإعطاء الكلمة للسيد العميد الأستاذ أعتقد سدرة. لكم الكلمة أستاذي المحترم أستاذ إبراهيم، من أستاذ سدرة مولى إبراهيم اللي هو عميد طبعا live FSTAY ديال جامعة مولاي إسماعيل. أفو لا بارول سيدي العميد. سيدي العميد هل تسمعوني؟ مسيو لو دويان إسكو فو مونتوندي؟ تون بارفيتمون. يلا تفضل أفو لا بارول. أفو لا بارول بروفيسور سدرا. أفو لا بارول. Je crois l'intitulé de votre présentation c'est Oasis et développement durable. Quel rôle pour la recherche scientifique ? تفضل. ميرسي d'amis au sein de cette association très dynamique à l'échelle de... Ah bon, est-ce que je te suis bien entendu actuellement? Non, maintenant ça va, maintenant Allô? Ça va, etc. Au départ, il y avait un problème, interférence. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis désolé, donc j'ai commencé par présenter un remerciement très chaleureux au modérateur, Sif Tahi,
pour cette tâche très prestigieuse de gérer une activité d'ampleur, à l'instar de cette activité autour des Oasis. Et je remercie également mon ami Sirsine Kabiri qui pilote en quelque sorte cette activité avec son groupe, un groupe dont je connais énormément d'amis donc, et de collègues qui font un travail qui mérite énormément d'applaudissements et de remerciements. Et aussi, je remercie les collègues et amis qui participent de partout dans cette activité de taille. Alors, mon intervention, en fait, il s'inscrit dans un cadre de réflexion et de partage de réflexion. Et il ne se veut pas, en aucun moment, une conférence pour donner des leçons ou bien des choses que, dont je suppose que tout le monde connaît c'est quoi les Oasis, c'est quoi les problèmes des Oasis. Et lorsqu'on parle du développement durable, c'est vrai que la question posée là, elle est très complexe. Il y a énormément de choses peut-être à faire intervenir pour parler d'un développement durable au vrai sens du terme. Mais je vais essayer, par respect aussi à mon identité, comme d'abord universitaire, comme professeur de physique, je m'intéresse aussi, comme l'a dit Sikarimi de manière extrêmement importante, que je partage que la dimension aussi culturelle, peut-être éthique et déontologique, et peut-être aussi faire intervenir non pas seulement les sciences exactes ou bien les sciences techniques, mais les sciences humaines. Lorsqu'on parle aussi de la culture, c'est extrêmement important. Donc je remercie Karimi pour son intervention extrêmement importante. Alors je ne sais pas est-ce que le partage sera fait à distance ou bien c'est moi qui va faire le partage. Voilà, c'est très bien. Alors à titre préambulaire, donc si vous le permettez, M. Ftehi et les collègues qui assistent. Alors pour moi, le sujet des Oasis, il recèle, comme vous le voyez, une importance extrêmement capitale sur diverses directions. D'abord, il y a une dimension historique. On ne peut pas parler des Oasis, je suis toujours dans cette dimension préambulaire. Lorsqu'on parle d'histoire, tout le monde connaît que l'origine historique des Oasis. Il y a d'abord toujours, il y avait toujours cette interaction entre la nature et l'être humain d'une manière plus générale. C'est ce que je qualifie par œuvre naturo-humaine, donc ça... Je m'excuse peut-être si j'ai raison de dire des choses comme ça ou non, mais c'est une sorte d'interaction entre la nature et les êtres humains d'une manière plus générale sur les routes commerciales pour les caravanes qui sillonnaient le Sahara. Donc ça, on ne peut pas parler des Oasis sans faire intervenir cette dimension-là. Les Oasis, ils fournissent aussi un cadre exceptionnel, si on se permet de le dire, des complémentarités et solidarité ancestrale entre pasteurs et agriculteurs dans le Sahara. Il y a aussi, à côté de cette dimension historique, qu'on pourra élargir et détailler pendant des heures et des heures, mais j'essaie de contracter à ma dimension aussi cognitive en deux points. Le deuxième volet, ou bien la dimension scientifique, elle recèle une importance aussi capitale lorsqu'on parle de la recherche scientifique pour meubler ou bien pour répondre aux inquiétudes de tout le monde au sujet de la sauvegarde de l'écosystème. Donc c'est important, peut-être à ce niveau-là, de faire intervenir la recherche scientifique. À l'échelle de notre établissement, on n'est pas sans savoir que notre établissement, donc la faculté des sciences et techniques, à l'instar aussi de la faculté polydisciplinaire de Rachidia, et d'une manière plus générale, on peut parler du campus universitaire à Rachidia, il y a énormément de choses qui s'effectuent en termes de recherche scientifique pour les projets de fin d'études de licence, du cycle d'ingénieur à l'échelle de l'AFST, je pense les formations professionnelles aussi à l'AFP et les masters et doctorats chez nous. Donc je connais énormément de travaux qui ont meublé ce côté de recherche scientifique au sujet des Oasis. Aussi, on peut parler de l'impact de la recherche scientifique sur les Oasis et les populations oasiennes, dans quel sens? C'est d'abord c'est pour améliorer la vie des gens. On ne peut pas parler de la recherche scientifique et son impact sur les Oasis si on n'a pas cette arrière-pensée, c'est qu'on cherche à améliorer le bien-être des gens et aussi à sensibiliser autour de l'importance de protéger l'environnement, de prendre soin de son environnement oasien, etc. Donc il y a énormément de points là. Donc la recherche scientifique, et là, en quelque sorte, un objectif à travers ces points déclinés. Il y a aussi une autre dimension qui n'est pas aussi moins importante, c'est la dimension environnementale, ou bien socio-économique et culturelle. Donc, c'est Karimi, il a détaillé ces points-là, donc je ne vais pas revenir sur ces points-là.
pour être plus bref et très concis aussi. Juste signaler que les oasis, ils étaient toujours conçus ou bien considérés comme une sorte de ceinture ou bien barrière contre la désertification. C'est extrêmement important. Malheureusement, il y a parfois des vulnérabilités qui empêchent sa tâche historique de persévérer dans le temps. Alors, cette complexité du sujet des oasis, elle provient de plusieurs points. Donc, à titre non exhaustif, je peux citer dans cette intervention multiple de sujet des oasis, les axes clés induits par toute discussion autour des oasis, ils peuvent être articulés autour du volet suivant. Donc, pour résumer, d'abord les oasis, c'est une manifestation de la symbiose entre l'homme et la nature. Si on croit autre chose, c'est qu'on rate ou bien nous sommes en train de rater la bonne voie. Tout à l'heure, c'est mon ami aussi, c'est Hassan Rabesh, que je salue à partir d'ici. Il a parlé d'un certain nombre de points de caractère déontologique aussi, en se comportant avec le sujet des oasis. Les oasis aussi, un certain modèle de productivité socio-économique. Les amis qui m'ont précédé, ils ont mis l'accent et placé le curseur sur ce point-là. Et ensuite, quelle vision de développement pour les oasis? Parce que c'est très vague de parler développement ou bien développement durable, tenmiya ou tenmiya mustadama, au sujet des oasis, mais dans quel sens on parle du développement durable? C'est pourquoi j'ai choisi, à titre méthodologique, d'abord de décliner la chose de cette manière-là. D'abord, veiller à une certaine continuité existentielle. Parce que si on n'a pas dans la tête, si on n'a pas dans nos actions quotidiennes et dans nos actions stratégiques des choses comme ça, c'est qu'on doit repenser et réviser nos stratégies. Alors, dans cette quête de continuité existentielle des oasis, d'abord, il faut prévenir les menaces de désertification. Ce sont des menaces, certes, indiscutables, aussi prévenir l'exode des jeunes, parce que ça sert à quoi de parler des oasis? C'est les jeunes qui sont fer de lance de l'avenir, qui sont l'espoir et la relève aussi pour l'avenir, et ne s'intéressent pas, ou bien ils ne s'intéressent guère à cette question de protection ou bien de sauvegarde des oasis. Les jeunes, on l'a dit tout à l'heure, ils ne cherchent qu'à quitter à la prochaine occasion, à la meilleure occasion qui va s'offrir, à passer, que ce soit à l'échelle nationale, à des villes très grandes, à des villes économiques, à des villes où il y a énormément d'opportunités, à une certaine dimension, c'est logique, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on prépare de notre côté à ces jeunes-là pour leur dire, voilà, vous pouvez rester dans vos espaces oisiens, vous pouvez rester dans cette province, dans la région de Rahat Hafilet, au lieu de chercher à faire à notre avenir ailleurs. Est-ce qu'on a préparé des choses à l'instar de ces rêves de ces gens-là? Ce sont des réflexions que je partage avec les collègues, mais ce n'est pas des critiques ou autre chose. Prévenir aussi les menaces climatiques. Donc, ce sont trois points qui s'inscrivent dans cette quête de continuité existentielle qui s'oppose à nous, aux êtres humains, aux concernés par cette question des oasis. Aussi, l'autre dimension, c'est la promotion des capacités socio-économiques des oasis. Alors d'abord, promouvoir l'entrepreneuriat par approche de genre. Donc, je n'ai pas voulu pour l'entrepreneuriat pour les filles ou bien pour les femmes ou bien pour le genre féminin, mais c'est pour l'approche du genre. Quand on dit l'approche de genre, c'est une approche où il y a coexistence et coaction entre l'homme, je pense, dans ces deux dimensions. Donc, il y a l'homme, il y a un seul homme, il y a un seul être humain. Quand je parle l'homme grand H, donc féminin ou autre, c'est toujours dans cette approche de genre. Et pourquoi je le dis? Parce que tout le monde connaît qu'à l'échelle des oasis, cette approche de genre s'impose. Promouvoir aussi les métiers oisiens. Ils sont très nombreux sur l'échiquier. Donc, tout le monde connaît c'est quoi les métiers oisiens. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ces métiers-là? C'est aussi une des questions qui sont à l'ordre du jour. Retour d'expérience des lauréats oisiens.
quand je dis des Lauriawaziens, ce sont les originaires comme moi-même, moi aussi je suis originaire de quelque part d'un espace oisien, comme la plupart des citoyens qui assistent aussi avec nous aujourd'hui. On a fait la fac, on a fait les écoles d'ingénieurs, on a fait des expériences à droite et à gauche, à l'étranger. Le retour, ça ne veut pas dire un retour physique. Vous pouvez rester là où vous êtes, vous pouvez rester à l'étranger, vous pouvez rester à Rabat, à Meknès, partout. Mais au moins, il doit y avoir un retour d'expérience à travers l'adhésion et l'encouragement des associations et faire un retour d'une certaine manière. Aussi, la troisième section concerne doter de plus d'immunité environnementale ces oasis-là. Alors, par l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques, là nous sommes en train de parler des choses qui sont concrètes, changement positif du mode de vie des populations vis-à-vis de l'environnement et la mise de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, d'accord, en faveur du développement de ces oasis-là. On ne peut pas se permettre de vivre ces exploits et ces succès de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies à l'instar de la thermodynamique et de la mécanique au XIXe siècle, dont une minorité de la population et des pays sur le globe qui profitaient de ces exploits-là. On ne doit pas, sur un plan philosophique et épistémologique aussi, on ne doit pas se permettre à ce que les oasis, par exemple, ils ne profitent pas d'une certaine manière de ces exploits qui se font et qui se réalisent quotidiennement sur le plan de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça marche? Très bien. On peut vous continuer, monsieur le doyen. Merci beaucoup, Siftouhi. Aussi, je m'approche parce que j'ai 4 slides, donc je n'ai pas beaucoup. Je m'approche de la fin en parlant des oasis et la recherche scientifique qui est effectivement le centre de gravité peut-être de cette intervention. Alors la recherche scientifique, aujourd'hui, elle est appelée, ou bien elle est interpellée à prioriser les problématiques à impact direct sur le développement de ces oasis. Plusieurs travaux de recherche dans le domaine des oasis se limitent malheureusement à des études statistiques et descriptives qui se limitent seulement dans un aspect de diagnostic. On n'a pas besoin seulement de rester longtemps, des années, seulement à décrire ce qui se passe, ou bien c'est quoi les oasis, qu'est-ce qu'il y a dans les oasis, quels sont les problèmes des oasis. On doit transiter et basculer à un nouveau stade, à un autre degré d'excitation pour présenter des solutions. Et quand on dit des solutions, par exemple, dans les thèses de doctorat, dans les projets de fin d'études qui s'effectuent d'une manière extraordinaire, je dois féliciter les porteurs de ces projets-là, étudiants et professeurs, dans tout le complexe universitaire, c'est au niveau de ces travaux-là, travaux de recherche, il y a énormément de solutions. Il reste seulement peut-être cette association qui héberge cette activité aujourd'hui et d'autres décideurs, qu'ils soient décideurs gouvernementaux ou bien des décideurs de la société civile, ils doivent faire un effort avec nous, aussi on doit faire un effort avec eux pour déchiffrer qu'est-ce qu'il y a dans ces travaux de recherche. Et je transite pour parler de l'importance d'universaliser ces questions-là des oasis. On ne peut pas rester cloisonné à l'échelle de la faculté, par exemple, pour dire qu'on nous sommes en train de faire de la recherche scientifique dans les oasis. Si une thématique n'est pas, quelle que soit la thématique, n'est pas universalisée, elle n'ira nulle part. Vous le savez très bien que tout ce qu'on fait, les gens depuis 3000 ans, en découvrant l'écriture, en découvrant les langues, en faisant énormément de choses, dans tous les points du globe, et on a pu profiter, ces choses-là, ils sont à notre disposition actuellement, après plusieurs années, plusieurs centaines, je ne veux pas dire des milliers d'années, après centaines d'années, des siècles, nous sommes en train de profiter des exploits des gens à cause de cette universalité. C'est très important de souligner ce mot-là. Alors, des modèles fournissant des solutions, je parle toujours dans cet esprit d'universalisation du savoir et de solutions. Je peux parler de cette question
je pense, un problème anguleux de l'analphabétisme. Je suis très choqué et j'hésite. Je n'ai pas voulu m'arrêter à ce niveau-là, mais j'étais obligé de le faire peut-être. C'est choquant quand même et embarrassant de continuer à parler en 2021 de ce fléau de l'analphabétisme, alors que peut-être il doit y avoir un jour pour s'arrêter de parler de ça. La pauvreté des populations, l'exode des jeunes, la précarité de l'infrastructure oisienne, l'invasion du ciment. Alors attention, l'invasion du ciment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans les oasis, on a cette possibilité de venir au bleu. On a cette possibilité de bâtir les maisons, de bâtir tout par des choses naturelles, tout en s'inspirant de cette ingénierie du béton, de cette ingénierie de construction, en se basant sur la science bien sûr, mais on n'est pas obligé de construire à l'instar de ce qu'on fait dans les villes. Alors cette invasion du ciment, c'est aussi interpellant donc, sur le plan de vulnérabilité de l'espace oisien. La désertification, c'est un problème classique, la rareté des ressources hydriques et les conditions climatiques dont j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas à titre non exhaustif. Et je passe pour dire que après, c'est pas à titre de synthèse, d'abord, forcer l'espace oisien à devenir urbain, c'est une action qui est contre l'oasis. C'est anti-oisien tout simplement. On ne peut pas forcer l'oasis à devenir quelque chose d'autre. Alors l'invasion du ciment dont j'ai parlé il y a quelques secondes, la mutation profonde du bâti oisien causée inadéquatement par une adaptation aux normes de la modernité. On cherche à s'inspirer de la modernité, mais à mon sens, en respectant tout le monde, à mon sens, d'une manière qui s'oppose à l'éthique et qui s'oppose aussi à l'existence même et à la persévérance de cet espace oisien. Les oasis affaiblis aussi par notre hostilité, je parle de nous, de moi, de vous et de tout le monde, ils sont affaiblis par notre hostilité comportementale envers l'environnement. Invasion de la pollution des véhicules. Je n'arrive pas à comprendre, par exemple, c'est difficile d'empêcher les gens d'utiliser une voiture dans les oasis, mais moi je parle du comportement à protéger tout en utilisant, je l'ai dit tout à l'heure, cette technologie, cette modernité, à ne pas s'affronter avec l'existence, avec les poumons de cet espace oisien. On peut continuer à utiliser les voitures, donc ce n'est pas ça le problème. Mais je souligne ici la pollution des véhicules. Mode de vie des ménages, mutation très profonde. Ça aussi, c'est un sujet qui mérite énormément de temps peut-être pour en parler. Les universités et les oasis, des formations à repenser. Former des lauréats pour le socio-économique et former des oisiens pour les oasis. Donc ça résume en quelque sorte pas mal de points peut-être à débattre après. La recherche scientifique est fondamentale pour développer durablement les oasis, à travers d'abord renforcer la coopération avec les différents acteurs nationaux oisiens, encadrer conjointement du projet de fin d'études, parce que c'est quand même une des faiblesses, des précarités à l'échelle de notre établissement, je parle de l'espace que je connais, de voir toujours si les mêmes qui encadrent les mêmes personnes, c'est-à-dire les mêmes professeurs, je parle dans le sens classique, et l'encadre les mêmes catégories d'étudiants. On doit vivre un jour pour voir, je l'ai dit un jour, si Kabili, dans l'une de vos activités prestigieuses, j'ai dit pourquoi ne pas inviter un jour un filah, un agriculteur, quelqu'un qui n'est pas censé avoir nécessairement un doctorat, pour entrer dans un amphithéâtre et enseigner aux gens des choses extrêmement importantes. Je l'ai dit, si Kabili, vous vous rappelez, pourquoi ne pas inviter un jour quelqu'un de ces oasis, un ma'allem par exemple, je ne sais pas, les métiers oisiens, ils sont nombreux, et venir à l'amphithéâtre au sein de notre établissement pour enseigner à nos étudiants quelque chose qui va servir à la vie. Proposer des sujets de doctorat conjointement et des projets de développement commun. J'arrive à la fin. Après cette synthèse, je suis désolé de prendre beaucoup de temps. Alors la FST Rachidia, cette faculté des sciences et techniques est dotée de toutes les capacités pour devenir un acteur de taille dans toute action visant le bien-être de l'environnement oisien dans la province de Rachidia et toute la région de Drahat-Afilet. Je vous remercie.
Chokran, chokran jazil, Seyed Hamid. Vraiment, vous nous incitez à venir et à partager avec vous cet esprit citoyen de rendre la recherche scientifique au profit de la cité, au profit des oasis. Donc, merci infiniment. Bon, il est très difficile de faire une synthèse, mais votre exposé s'appuyait sur une approche méthodologique. Vous avez abordé les dimensions, les multiples dimensions de, bien sûr, ce lien de la recherche scientifique avec l'écosystème oasien, dimension historique, dimension scientifique, dimension environnementale. Je crois que vous avez fait un certain nombre de messages, vous avez fait passer un certain nombre de messages. Je note entre autres comment on peut changer les attitudes de la jeunesse, de rester lié à leur environnement initial et ne pas être victime d'une immigration que l'on ne peut pas prévoir a priori leur justement incidence. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez élaboré une vision de ce développement durable. Cette vision, normalement, qui se doit se caractériser par un certain nombre de, bien sûr, d'éléments, dont une continuité, une intégration de l'approche genre, intégration des métiers oisiens, et comment ils peuvent être un vecteur de développement, et aussi renforcer ce lien et ce partage et ce retour d'expérience, parce que c'est une pédagogie d'apprendre des autres et d'apprendre des ancêtres et de conserver ce patrimoine ancestral. J'ai aussi apprécié ce que vous avez appelé l'immunité environnementale. Donc, on a besoin d'une sensibilité à l'égard de l'environnement, à l'égard de cet challenge de l'environnement de l'écosystème oasien. Donc, on doit renforcer davantage la communication, l'éducation, justement, pour maintenir un lien affectif entre l'homme et son milieu qui ne supporte pas une agressivité, malheureusement. Et ce qui est très intéressant, c'est, en ce qui concerne la recherche scientifique, on a besoin de faire une priorisation de la recherche. Une recherche qui ne doit pas se limiter uniquement à un diagnostic, mais il faut qu'il apporte des solutions à des problèmes réels, d'où la nécessité d'orienter les thèses, même l'enseignement à ce cheminement. Et si vous avez insisté sur une nouvelle pédagogie, donc on doit bouleverser notre pratique, bien sûr, juger, pédagogiquement, didactiquement approprié, pourquoi pas ouvrir la porte de l'université dans un contexte où on parle de l'interaction université-milieu, comment on peut faire intervenir des outsiders, surtout outsiders, les éléments de la société pour partager leur expérience, leur savoir avec nos étudiants et avec nos chercheurs. Et je vous remercie pour cette contribution. Bien sûr. Et je passe la parole à Simhboub. Simhboub, est-ce qu'il est avec nous? Simhboub. Oui, Oustadi. Faddal, marhaba. Faddal, Simhboub. Merci, Sifti. Merci beaucoup. Merci, Sifti. Et ici, l'Hassan, qui a bien organisé le webinaire. Donc, quant à moi, je vais parler justement d'un élément limitant qui est l'essence et même le starter de l'Oasis. Voilà. Donc, qui est l'eau? En tant que directeur de l'agence du bassin hydraulique de Guirzy-Driss, alors je dois commencer déjà par poser le problème. Si le problème est bien posé, eh bien la solution existe. Si le problème n'est pas posé, bien posé, la solution n'existe pas. Alors, déjà l'Oasis, comme son nom l'indique, c'est un espace fragile né autour du cours d'eau et notamment les nappes d'accompagnement. Les nappes d'accompagnement autour du cours d'eau. Bon, parmi les contraintes dans cet espace naturel, déjà l'élément limitant qui est l'eau.
Alors l'eau est rare, est une ressource rare dans les espaces du sud-est marocain, de par la situation géographique, parce que jadis, avant 1980, les cours d'eau de la région de Drassafilès, et plus précisément des bassins de Gevziz Rezim Idr, ils sont pérennes, ils étaient pérennes. Avec la succession des sécheresses, la sécheresse maintenant qui devient structurelle, donc les cours d'eau de la région deviennent alors pluviales. C'est-à-dire, ils sont c'est-à-dire alimentés justement par les sous-écoulements grâce aux pluies torrentielles, c'est-à-dire au niveau du haut bassin de Gevziz Risse et Meïdr. Maintenant, à cause des sécheresses, pourquoi? Parce que dans la région, nous avons juste 25 jours de pluie par an. Et ces nappes d'accompagnement, elles sont fragiles, elles sont influencées directement par les changements climatiques, donc ce qui fait ces nappes tarissent. Donc, avant 1980, Dirtara était aussi pérenne et maintenant il ne devient plus. Aussi, l'espace est fragile parce que, comme a dit mon cher ami Moulay Ibrahim, il y a les mutations. Il y a les mutations dans, c'est-à-dire la vie des oisiens et l'espace devient réurbain et le stress hydrique impacte justement ce système fragile. Alors pour ce faire, il faut déjà forcer la résilience. Pour forcer la résilience, il faut déjà la prise de conscience. Alors dans ce sens, il faut faire, c'est-à-dire se concerter avec la population. Pour se concerter avec la population oisienne, nous avons des espaces dans lesquels on peut débattre de cette question des oasis du sud-est du Maroc. Déjà, à travers le conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique de Gevziz Risse, où sont représentées les associations et les usagers de l'eau, aussi à côté des responsables du département ministériel. Aussi, nous avons récemment apuré le régime juridique, c'est-à-dire institutionnel, par l'instauration de ce qu'on appelle le conseil du bassin de Gevziz Risse et Meïdr, où sont représentées justement les associations en charge de l'environnement et de l'eau. Alors, pour ce faire, alors, pour résoudre le problème des oasis, il faut reconstituer le stock des nappes d'accompagnement. Ces nappes d'accompagnement qui sont généralement des nappes quaternaires, qui sont sensibles aux variations climatiques, aux changements climatiques, justement, et ils sont sensibles aussi énormément à la sécheresse. Donc, alors pour ce faire, à défaut d'avoir des cours d'eau pérennes, donc il faut au moins reconstituer le stock de ces nappes d'accompagnement. C'est pour ça que nous avons des programmes relatifs justement à l'adaptation au changement climatique, dont le volet ayant trait à la sécheresse et l'autre volet ayant trait aux inondations. Parlons de celui de la sécheresse. Alors l'agence, avec ses partenaires, notamment l'Office de mise en valeur agricole de Tsefilès et de Ouerzès, M. Fenici avec nous pour le confirmer, et l'ONZOA, nous avons toujours établi des programmes annuels pour bâtir ou construire ce qu'on appelle les seuils de recharge des nappes artificielles, le seuil de recharge artificielle. Et nous avons des exemples, un exemple pilote au niveau de Hnabou et Joffre. Donc un seuil, une crue a permis à une khtara, c'est-à-dire de couler pendant au moins six mois. Donc, partant de ce constat, nous avons généralisé justement cette pratique au niveau de tout le bassin du Gevziz Risse
et on fait chaque année 3 à 4 seuils par an. Bon, alors, grâce à ces seuils de recharge artificielle, justement, nous avons pu établir ou bien reconstituer le stock de synapses d'accompagnement pour permettre de revivre ces oasis. Il y a aussi un problème qui choque, c'est un problème que Moulay Ibrahim a cité tout à l'heure, c'est notamment, est-ce que l'oasis maintenant, parlons disons jeu stratégique des oasis, est-ce qu'ils peuvent remplir ce qu'ils remplissaient auparavant? Donc quel est leur rôle dans le développement socio-économique de la région? Nous avons c'est-à-dire étudier tous les sites où on peut bâtir justement ces seuils de recharge artificielle. Nous avons aussi une banque de données relative aux barrages qui sont inscrits dans le programme 2020, le 27 relative à l'alimentation en eau potable et à l'irrigation. Donc, en fonction des crédits disponibles chaque année, on peut multiplier ces seuils et des barrages collinaires afin de reconstituer le stock des nappes d'accompagnement qui est le volume du contrôle où l'oasis peut, c'est-à-dire prospérer. Donc, aussi, puisque l'oasis ne peut pas remplir le rôle qu'il remplissait auparavant, alors pourquoi ne pas penser justement, M. Karimi l'a cité, à faire une articulation entre l'aspect culturel, l'aspect économique et social pour donner à l'oasis un rôle à jouer dans ce processus de développement, notamment pourquoi ne pas penser à effectuer à exploiter l'oasis par des circuits touristiques permettant, aux visiteurs d'admirer l'espace oisien par Sirksba c'est-à-dire Dirksor, qui ont une architecture locale. Pourquoi ne pas penser à développer des activités pour transformer les produits émanant des oasis, normalement pour effectuer, pour faire ce qu'on appelle les produits du terroir. Et finalement, il faut inciter la population pour qu'il soit résilient à prendre conscience de cet espace qui est fragile. Voilà ce que je voulais dire, ma contribution, j'ai rien préparé, j'ai improvisionné justement parce que j'étais pris, parce que nous sommes en train de préparer justement la deuxième réunion du conseil du bassin, avec Sil Hassan, aussi le conseil d'administration. Donc j'ai participé par cette réflexion et je suis à votre disposition pour des éclaircissements relatifs justement à l'eau, qui est l'élément limitant et le starter de développement des espaces oisiens. Merci beaucoup. Chokran jazilan, Sim Mahboub. Tabarak Allah alik. Taban bach yemkin ndabrou zaman li ana bghina kadalik l'ikhwan li titabou maani tfa'lou. Taban ghadi nkoun jedd mourkaz. Sim Mahboub akedti ala l'ahmiya dial wakalat l'hawd l'mai w l'a'mal li tatqom biha. أكدتي على مسألة أساسية ديال هذا القلق ولا هذا الستريس إدريك وربطتي بالتغيرات المياه. تكلمتي على القضية ديال يعني سكو بوزافي أبلي ريكونستيتوي لو ستوك داكومبانيومون، مسألة مهمة جدا بور انجستيون ديال المياه وسيرتو لا بارتيسيباسيون لا كونسيرتاسيون أو نيفو دو لا غوفيرنونس. والمسألة الأساسية هي التكيف مع التغيرات المناخيه ومع الظاهره ديال الجفاف اللي ولا ظاهره مهكله. باقي عندي جوج متدخلين في اللائحه، الى باقي عندي السي داوود فانيسي والسي بشار محمد. الى هذا هو المسار السي حسن ولا كاين شي اضطراب؟ وما هذا لا هو هذاك هو هذاك استاذي العزيز جزيلا السي حسن الله يكرمك. اذا غادي نعطي الكلمه مباشره للسي داوود فانيسي.
تفضل. شكرا الاستاذ فتوحي. كما قلت قبيله انا جي كان بحال سي محبوب جي با بريباري ديكسبوزي ا بارتاجي افيك فو اتون دوني دونك جي با بي اسيستي ا لا بروميير ريونيون ديال اوفرتور ديال هاد يعني هاد لي زاتيليي Mais je vais intervenir quand même pour dire un mot sur l'agriculture dans la zone. Tout le monde sait que l'agriculture constitue donc l'activité principale des Oisiens du fait qu'ils procuraient, et là j'utilise l'imparfait, ils procuraient 70 à 80% de la trésorerie des ménages. La trésorerie, il vient essentiellement des ménages ruraux, bien sûr. Il provient essentiellement de l'activité funicicole, c'est-à-dire la culture et l'exploitation des palmiers d'acier dans la région. Mais cependant, donc avec les changements climatiques et avec l'évolution culturelle et des populations, notamment donc leur bien-être avec l'instruction, le départ des jeunes, comme il a dit Moulay Ibrahim Sedra tout à l'heure, départ des gens formés vers les villes, vers d'autres pays. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir évoqué le retour de ces expériences dans la région. De toute façon, on va en parler tout à l'heure lors du débat peut-être. Alors avec ça, on assiste à un abandon des parcelles par les jeunes, notamment donc avec la vieillesse des agriculteurs et donc leur décès, etc. Les jeunes fuient un petit peu l'agriculture. C'est vrai qu'on assiste actuellement à un retour par des investissements dans ce domaine-là et on espère que ça va inciter les gens, donc les gens formés et instruits de la région à revenir et à investir sur leur parcelle et suivre donc un petit peu avec une modernisation ce que nos parents ont commencé. Mais je vais vous dire, donc, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les changements climatiques, vous savez, on a parlé pendant les années 70-60, les cours d'eau étaient pérennes et maintenant ils sont asséchés et on compte sur des crues, sur des précipitations et qui occasionnent des crues sur les ouèdes pour irriguer. Et sinon, on fait recours à au creusement des forages ou des puits et à l'exploitation de la nappe. Cette nappe, bien sûr, qui dépend des précipitations et de l'humidité annuelle pour sa recharge. Et comme il y a des changements, on va dans le sens de sensibiliser les exploitants à économiser au maximum et donc à faire recours à des techniques d'économie d'eau, notamment les systèmes d'irrigation goutte à goutte. D'ailleurs, l'État donne des aides financières dans ce sens-là pour inciter les gens à installer des systèmes d'irrigation et économes d'eau, comme le goutte à goutte. Mais également, on essaie de sensibiliser les agriculteurs sur l'utilisation des techniques culturales qui permettent le minimum d'évaporation. Donc, c'est l'économiser au maximum. Ces techniques culturales, bien sûr, tournent autour des paillages tout autour des palmiers d'acier, mais également de faire des binages autant que possible lorsqu'on peut les faire, des binages, parce qu'on dit toujours, il y a un adage qui dit un binage vaut deux irrigations. Donc, sur une irrigation, donc on économise une autre. Et on assiste actuellement à des investissements sur des terrains d'extension, mais comme le millénaire, il concerne les oasis, donc il est grand temps de,
de laisser et de penser à la sauvegarde de ces oasis, moyennant donc la convergence de tous les efforts des intervenants et des partenaires, de tous les partenaires. Et là, je dis, bon, le petit Mahboub de la BH l'a déjà signalé, il y a une étroite collaboration entre tous les partenaires dans la région. Ça, on le sent tous. On travaille avec tout le monde, avec la BH, l'ANZOA, l'université. C'est une des choses très importantes qu'on a dans la région, c'est que il y a cette coordination et cette coopération très très importante, peut-être la meilleure au Maroc. J'espère donc qu'on va continuer à mettre la main dans la main et essayer de travailler ensemble pour sauvegarder et préserver ce patrimoine oisien que nous voyons devant nous. Personnellement, je suis donc, je l'ai toujours dit, c'est l'Hassan Kabiri, je l'ai toujours dit, je suis oisien jusqu'à la moelle. J'espère donc, j'ai vécu dans les oasis pendant une cinquantaine d'années, je suis âgé de 58 ans et je suis né dans l'oasis et j'espère et je souhaite mourir dans l'oasis. Alors j'interpelle tout le monde ici présent et tous les intervenants à mettre la main dans la main pour sauvegarder et préserver ces oasis. Monsieur Moulay Ibrahim Sidra tout à l'heure a parlé, comme j'ai dit, du retour d'expérience sur la région. Je suis le premier à retourner dans la région. Je suis venu en 1990. Ça fait déjà 31 ans que je suis dans le bled et je travaille, je fais donc tout ce que je peux dans les oasis et j'interpelle et j'appelle tous les camarades, les gens qui ont fait des études avec moi à l'Institut agronomique à faire de la même chose. Et il y a des gens qui reviennent, on espère que tout le monde revienne ici. Donc concernant ces oasis, pour revenir à ces problèmes d'oasis, on travaille actuellement dans l'oasis de Ofous et on va travailler sur l'oasis de Finistère. On est en train de faire des projets avec l'ANZOA, l'Office et la BH, tous les intervenants avec la protection civile, etc. et l'association la OFEP pour faire des projets de lutte contre les incendies. Alors là, c'est un grand problème donc à conjuguer à ce qu'on vit déjà comme pénurie d'eau dans les oasis. Il y a un problème des incendies de palmeraies qui nous ont donc un petit peu surpris ces années, pendant les années 2000 et 2010, parce que je l'ai toujours dit, depuis les années, je me rappelle les années 60, les années 70-80, on ne connaissait pas d'incendie dans les oasis. Pourquoi? Parce que les gens... Ibrahim, ça va? Alors, je disais que donc moi j'ai vécu pendant les années 60, 70, 80, on ne connaissait pas d'incendie. Pourquoi? Parce que les gens utilisaient le bois pour comme bois de chauffe, mais également pour cuire leurs aliments. Et avec le bien-être dont on a parlé, l'instruction des gens, etc., on a abandonné l'utilisation du bois et on utilise l'électricité qui est arrivée, le gaz aussi. Donc on n'utilise plus le bois de la palmeraie pour le bois de chauffe, ni pour cuire les aliments. Et donc notre palmeraie est devenue, comme on disait une forêt. On disait le rava, mais actuellement, donc, on est devenu vraiment dans une forêt. Ils deviennent une forêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont touffus, ils sont pleins de palmes sèches, des palmiers même, des palmiers desséchés, et
le bois et reste dans les palmeries. Il suffit d'une petite étincelle pour donc mettre le feu à la palmeraie et à ajouter à cela les problèmes de vent lorsqu'il y a des vents dans la zone est très ventée et quand il y a des vents, c'est vraiment, croyez-moi, on a vécu des nuits comment dirais-je, qui est très très difficile, très dur. On n'arrive pas à éteindre le feu, donc à étouffer le feu quand il prend dans la panne d'oreille. Alors là, c'est un grand problème. Je reviens donc aux activités de l'Office dans ce cadre-là. C'est on essaye de reconstituer les palmeraies par la distribution de vitroplan de palmiers, des variétés un peu donc résistantes aux baïodes, mais également des variétés de mijboul de temps en temps. Oui, je vais synthétiser et être plus bref. Et on est en train d'encourager l'investissement sur les alentours des vallées et des parcours, donc sur les terrains d'extension. Il y a des aides financières de l'État pour encourager à installer des palmeraies sur l'extension. C'est des palmeraies qui vont donc nous permettre de produire et de limiter l'importation des dattes des autres pays parce qu'on importe maintenant un tiers sur nos besoins de consommation. Et on espère bien arriver donc à produire suffisamment pour arrêter les importations et pourquoi pas exporter vers d'autres pays nos dattes. Le sujet est très très large et je ne peux pas continuer peut-être, mais on va le débat, on va continuer à donner ce qu'on a au niveau de l'office, qu'on fait comme travaux d'aménagement, etc., droit agricole, etc. Et donc, je m'excuse pour avoir été un petit long. Merci beaucoup. سي فانيسي تنشكرك تبارك الله عليك هذا غير اللي ما حضرش كون حضرتي لينا كنا غادي نجاوزوا هذا تبارك الله عليك رسائل مهمه دازت في واحد الواقع اللي تنعرفوا الاشكاليه اللي مطروحه خاصه الاشكاليه ديال الماء الفلاحه يعني الاستهلاك اللي تديروا تزيد الضغط عندك ان ابل لونسومبل دي زانترفونون de travailler, comme vous l'avez souligné hier, pour protéger ce patrimoine collectif commun. Et vous avez vraiment lancé un appel concernant la prévention contre surtout les incendies qui constituent une menace. Donc, merci encore une fois et je vais donner peut-être le dernier intervenant de donner la parole aux autres collègues qui suivent avec nous. سي محمد بشار تفضل ابو لا بارول سي محمد بشار السلام عليكم وعليكم السلام دونك سي دونك ما فيها باس عندنا واحد تشديد غير بالشهر دونك ما تفضل دونك ميرسي دونك السلام عليكم دونك بدوري كنشكر السيد رئيس الموديراتور سي فتوحي الرئيس كذلك سي كبير حسن سي جعكو اوسي يمكن راه تولي عندي انيفرسير من فيفري وقيلا لان من فيفري ما شفتكش ديال العام 2020 دونك وقيلا العام الاخر غير ما تبقاش حتى العام الاخر ان شاء الله دونك ici en tant que représentant ديال لانزوا ما كاينش انا عندي اون بريزونطاسيون جينيرال ني با سبيسيفيك لهذا الويبينار ولكن كي va essayer d'apporter quelques pas forcément des réponses plusieurs questions qui étaient soulevées par les intervenants, la Sikarimi, si Moulesdra, donc, mais je vais essayer de donner quelques indicateurs chiffrés, les avancées ou l'évolution au sein de l'OEHA, خصوصاً بالشق ou la rehan toulati de tenmiya, qui est tenmiya l'ijtimaïa, tenmiya l'iqtisadiya ou tenmiya l'bi'iya. Donc, je ne sais pas, est-ce que je prends la main ou là, on défile Est-ce que nos collègues, comment notre ami il peut partager avec nous sa présentation, Juan, la Oui, c'est Walid, très bien.
Parfait, parfait. Donc, c'est une contribution qui sera donc axée sur 3 ou 4 volets. Donc, je vais parler sur donc, l'émission de l'Anzoua. Je ne vais pas m'attarder sur le diagnostic de l'Ouahet, peut-être que je suis le seul qui n'est pas voisin à donc, mais les intervenants, les premiers, tout le monde, mais tu l'es du cœur. Merci beaucoup. On a quand même une assise à dire qu'à dire qu'à l'mout, c'est un abri de mout. Avec la cassive, ça aura tu es devenu un voisin. Barakallah, fille, je sais combien. Je vais essayer de parler sur les oasis. Je ne vais pas m'attarder là sur le diagnostic. Et je vais parler de la mission de l'Anzoua qui essaie de répondre à plusieurs questions qui ont été posées par les intervenants. Je vais donner quelques réalisations au niveau des oasis où je vais essayer d'apporter quelques indications sur des questions qui ont été posées sur le chat par Sirsen. La relation avec le développement ou la société civile, y a-t-il une interaction? Est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce qu'il participe également? Est-ce qu'on prend en compte les propositions d'Yalom à travers quelques projets qui ont été réalisés mais les partenaires qui travaillent au niveau de l'Anzoua, mais également avec l'Anzoua en tant qu'institution? Ou je vais essayer de donner à Moulay Sdra, il a parlé de la recherche. L'Anzoua, qui aime de la recherche, c'est la base de développement. D'IEL, toute intervention au niveau terrain. Sans recherche, on ne va pas évoluer, surtout des milieux sans critique, vulnérables, tels que les oasis. Donc, Flanzoa, Kenem Nubia, on est ouvert à soit encadrer, à financer. Il a quand des projets viables économiquement. On est preneur, on peut les accompagner pour qu'ils trouvent le financement nécessaire pour qu'ils restent au niveau de l'oasis et pour qu'ils puissent participer au développement de cette oasis. Donc, je commence cette présentation par dire que les oasis font partie de l'histoire, comme elle a été soulevée par Sikarine et par les autres, du présent. Et on est là dans ce webinaire pour rassurer la génération que l'oasis restera dans le futur. Donc, les oasis, donc, constituent des espaces de production agricole par excellence, exemplaires. Je ne vais pas m'attarder là parce que plusieurs filières, c'est 100% produites au niveau des oasis. Je donne le palmier dattier, la rose, le henné et j'en passe. Les oasis disposent également d'un patrimoine naturel, culturel, architectural exceptionnel. Il a été cité par l'ensemble qu'il faut exploiter. Et mais les oasis pour qu'ils puissent donc se développer, rester, donc ils sont contraints à plusieurs contraintes anthropiques et surtout principalement le changement climatique. Suivant, s'il vous plaît. Donc c'est suite à cette importance de cet écosystème oasien que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, donc a donné ses instructions pour la création de l'Anzoua. Le but étant, donc suivant, donc le but et la mission de cette agence, c'est l'élaboration donc, d'un programme global concerté avec tous les acteurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient politiques, donc politiciens, autorités, société civile, organismes, tous les organismes qui travaillent sur le territoire oasien, donc à travers une concertation, une coordination, d'élaborer un programme global de développement de ces zones-là. Donc, et ceci pour qu'on puisse garantir donc, un développement durable au niveau économique, social, culturel, environnemental et humain. Donc, suivante. Donc, c'est ainsi que l'émission. Donc, je vais en citer que quelques-unes de l'Anzoua, c'est qu'il doit veiller à la préservation, à la protection et au développement des oasis, notamment par la mise en place de projets socio-économiques. Il doit également veiller à la préservation, à la production
et à la protection du palmier dati, puisqu'il constitue l'ossature des les oasis. Son palmier, donc c'est, comme on dit, c'est le chef d'orchestre. Donc, dans les associations écologiques, c'est le patron, c'est le colonel, c'est le capot. Et là, toutes les végétations, ils vont disparaître. Ensuite, c'est encourager l'investissement au niveau de ces zones-là. Donc, soit contribuer, soit préparer les dossiers, soit préparer les études. Donc, faciliter donc, la commercialisation de tous les produits, faciliter la valorisation au niveau des zones oisiennes pour qu'ils puissent capter la valeur ajoutée. Encourager également dans l'utilisation de la ressource, surtout ici, comme elle était citée par Simbo. Donc, on travaille ensemble pour qu'on puisse, et l'Office également, pour divulguer des bonnes pratiques pour l'utilisation des ressources, pour l'utilisation de l'eau, pour la valorisation de l'eau, le mètre cube, il est rare, donc il doit être utilisé pour une production qui le valorise au mieux. Beaucoup de programmes également sont initiés avec les eaux et forêts, avec l'Office et avec la BH, donc pour la lutte contre la désertification et l'ensablement au niveau de cette zone oisienne. Un autre volet qui est très très important pour l'Anzoa, c'est encourager la recherche, surtout pour ces zones-là. Donc, et également mettre en place des instruments LIMKIN à travers, en consultation avec la population oisienne et également avec tous les acteurs, des instruments LIMKIN limités, encourager, inciter toutes sortes d'actions qui peuvent garantir le développement et le maintien et la sauvegarde des oasis. Suivante, s'il vous plaît. Là, c'est la zone des oasis. Je ne vais pas. Donc, tout le monde connaît donc, l'étendue de la zone oisienne. Donc, je parle ici, c'est la zone d'action de l'Anzoa en général. Il fait deux écosystèmes fragiles. La zone oisienne et également l'écosystème de l'Arganié. Il y a 5 régions, 16 provinces, et près de 401 communes. Et le représentant, donc je vais pas mal d'avoir les noms, ils étaient cités par mes collègues, les désorblumini. Donc j'en passe. Oui. Suivante. Donc, suite au diagnostic approfondi ou participatif LIDERF 2012-2013, Khirjet Lanzo a la stratégie pour répondre donc les orientations de Sa Majesté le Roi pour qu'on puisse veiller à la sauvegarde et la préservation et le développement de la zone oisienne. La stratégie se base sur 3 axes. Il faut que les oasis deviennent un territoire attractif, compétitif et préservé. Donc sur ça, il y avait la préparation de 10 dossiers de stratégie. Les 4 dossiers au niveau le volet attractif, 3 au niveau du compétitif et 3 au niveau de préservé. Donc, en ce qui concerne, donc, pour avoir donc, un territoire attractif, donc, être loisien, pour qu'il puisse continuer à vivre, donc, au moins les minima, les niveaux minimum à l'échelle nationale, là, en ce qui concerne l'éducation, le sport, la culture, le milieu est là. Donc malheureusement, le diagnostic, tous les indicateurs en dessous de la moyenne nationale. Nisbal compétitif. Donc, on valorise, on produit la date, on produit la rose, beaucoup de produits. Malheureusement, la valeur ajoutée n'est pas captée au niveau de la zone. Ce qui fait qui prouve le cercle vicieux de la pauvreté. Edna beaucoup, il a été souligné par l'ensemble des intervenants, Edna des ressources les culturelles, paysagères, l'artisanat, le tourisme. C'est le temps de le valoriser pour capter et pour développer d'autres activités LIMKIN. Et on ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas vécu d'autres écosystèmes, les régimes lois, mais chez vous, il y a des idées géniales ou là, LIMKIN est développé. Donc, à nous, surtout, l'appel a été fait par Tani, l'ensemble, donc les compétences de l'OIHALIKHRJO, de revenir ou de venir avec des idées pour mieux valoriser le potentiel des zones oisiennes. Donc,
il a affiné bien la zone, je ne vais pas vous dire, 43% de l'imine à la kinif la zone de l'Drahat et Filet, ou kinif la zone voisine, à l'exception de phosphate. Donc, c'est le temps, les chefs ou d'autres pays qui sont développés, le secteur, c'est le moment pour qu'ils viennent prêter aide. Là, je remercie l'AOFEP, il a initié ça pour capitaliser les expériences et pouvoir les dupliquer au niveau du territoire voisin. Nisbel, le territoire préservé, donc il a été signalé également à tous les intervenants, bien les ressources hydriques sont rares, il faut les gérer. Beaucoup de contraintes liées à la dégradation du sol, c'est la zone qui a le plus grand taux de dégradation du sol dans le Maghreb. Il a bien signalé qu'il y a une dégradation de la biodiversité, beaucoup d'espèces, qu'ils soient végétales, animales, qu'ils étaient donc endémiques, malheureusement, ils ne sont pas sauvegardés, ils ne sont pas conservés, et donc, il a pratiqué sans intervention, que ce soit de l'État, que ce soit de la société civile, donc il y aura une perte, suivante, s'il vous plaît. Donc, quelle est l'approche d'intervention pour qu'il puisse décliner la mise en œuvre de la stratégie? Donc, l'ANZOA s'est basé en même temps, il y avait un diagnostic, comme j'ai dit au début, participatif, ou avec quelqu'un général, les grandes orientations. Donc, l'ANZOA a mené donc, des études de caractérisation du territoire ou une identification des liaisons prioritaires. Il y en a même les indicateurs, de la pauvreté, de la santé, de la filaha, de l'immigration. Donc, nous finalement les zones, on doit relever tous les indicateurs au minimum le niveau national. Donc, dans des études, les lona et bien nous finirons la prioritisation des actions de l'ANZOA où finalement on peut coordonner les secteurs pour qu'ils puissent intervenir pour une harmonie de l'action, mais je connais un effet cumulatif ou bien le résultat d'y aller. La dynamisation au niveau des territoires, on a besoin de l'hémorragie, l'exode, on a besoin de assurer entre tous les secteurs de l'Ola ou la Moujtamah, les habitants et la population voisine, assurer un développement intégré ou participatif. On essaie de répondre aux besoins urgents ou avec un caractère fort, scientifique ou équitable. Ou le diagnostic, le besoin est énorme. Ce qui fait l'ANZOA, le budget de l'État, ou le budget de l'État, ou les secteurs, il n'est pas capable de répondre, surtout pour le délai de 10 ans là. L'ANZOA, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a plaidoyé pour d'être la relève de là, pour mobiliser d'autres fonds nationaux, et d'autres fonds internationaux, pour accélérer donc, le rythme des réalisations pour pouvoir subvenir les besoins et améliorer donc, les indicateurs de l'OAHA, les barrières 2016, des résultats intermédiaires sur ou 2020. Qu'il y a des indicateurs qui sont alignés les standards nationaux du Maghreb. Qu'un suivi des indicateurs. Les propositions, la politique, de la stratégie, je regarde le bon sens. Chaque année, qu'il y a un bilan, qu'il y a un suivi régulier de tous les indicateurs. Qu'il y a la stratégie, avec le développement, avec la trajectoire de Radin Fi, elle est sur la bonne voie, ou là, il faut changer, ou là, où il faut accélérer le rythme pour qu'on puisse rattraper le retard. Suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous savez, tout le monde, BNL l'ANZOA, c'est faire. Donc, ce n'est pas une institution d'exécution. Donc, passe toute l'intervention de l'ANZOA passe à travers un processus de partenariat. Donc, l'identification, disons, les opportunités, les problèmes, les besoins, on cherche le secteur,
هذاك البروبليم ولا لوبورتونيتي اللي كاينة اون في اون في اون كونتراكسيون اون كونتراكتواليزاسيون يعني اون كونفونسيون معاهم بور كيل بويس اكزيكوتي هذاك لو بروجي ولا هذيك لاكتيفيتي من بعد لانزوا الى سور مع هذاك مع لا بوبولاسيون مع السيد لو ميتر دوفراج مع لو سيكتور لي رياليزاسيون ديال هذاك لا كونفونسيون ديك البارتناريا من بعد لا كلوتور من بعد لا كلوتور ديالها دونك هاد لو بوزوان ولا هاد لوبورتونيتي جينيرالمون الي ديكلاري ولا الي مان من واحد لا كونسرتاسيون الارجي سواء مع لوتوريتي لوكال سواء مع لي كوليكتيفيتي تيريتوريال سواء مع لو تيسيو اسوسياتيف اللي كاين في هذا سواء ايغالمون اوني عندنا واحد القاعده دو سيرفيس لي كونسيرني اللي غنخدموا فيه لك ليدوكاسيون ولا الفلاحه il doit être signataire باش يعرف حتى هو كيس كيس في او نيفو ديالو و كيل بيس اسوري لا سينيرجي ولا بارفوا كيقول لك هادي نو بلا ما ديروها راه جي بروغرامي ديالي هاد العام ولا العام الاخر ولا هادي دونك هنا هاد لا سينيرجي باش يمكن لانترفونسيون تكون بلو رونطاب يكون عندها دي زيفي بينيفيك يعني فيت في سويفونت سيل فوبلي دونك اترافير شفتو دونك سويفونت دونك كيما شفتو دونك le début parmi les principales missions c'est de la veille à l'écosystème moisien et la veille qui dame ou le haja ou ma qu'ils sont qu'il est le volume des investissements leader d'ola bachim qu'il y a trafait ou la tessin de l'oucherette d'être le miel et vadi donc depuis la création il un suivi régulier à tous les secteurs ou un c'est une occasion pour les remercier tous et ne filme que ça y est à l'investissement dialogue هاد العام والبروشان ولا اللي درتي العام اللي فات ايل سون بري اي نو فورنيس دونك لانفورماسيون دونك انا اترافير هاد لو سويفي لا عندنا توت لي تو لي انفيستيسمون اللي داروا اون لي افونتيلي مع سولون لي 3 اكس دو ديفلوبمون ديال لا زون هاد لي هاد اون بلوس ديال هاد لا كوليك ديال لانفورماسيون هذا كاينين دي انديكاتور ديال كما قلت ديال الصحه ديال التعليم ديال كلشي كي سون سويفي ايغالمون donc annuellement ou également ils sont toujours croisés le haut commissariat au plan il y a des indicateurs avec un suivi de la taux de pauvreté de l'électrification de l'eau et ils en passent donc tous les indicateurs sont suivis par l'ANZOA depuis sa création suivante donc à travers les indicateurs je vais partager avec vous quelques résultats ou là finalement 2012 فاش لانسات لا استراتيجي حتى 2019 هاد المؤشرات اشنو عطونا فين وصلنا بارابور لي زوبجيكتيف اللي كانوا في جي ولا كاينين كانوا محطوطين في لا استراتيجي دونك عندنا تقريبا الا خدينا واحد المؤشرات الاقتصاديه كنبداو شنو لا استراتيجي لافي دونك بريفو واحد ان فوليوم ديال 92,5 millions de dirhams qui sera injecté dans la zone voisine pour qu'il puisse rendre la zone compétitive. Alhamdoulilah, jusqu'en 2019, l'État il a injecté 93,4, plus que ce qui était prévu. Sans compter, bien, le privé, au moment de l'élaboration, on n'avait pas donné beaucoup d'importance. Il a injecté 21,10 milliards de dirhams, l'équivalent à des qui fait une grande partie de la zone de Nskiboudni. Pour tout ce qui est ressources financières, les dettes pour améliorer l'attractivité de la zone voisine, la stratégie avait prévu 33 milliards de dirhams. Jusqu'à maintenant, on est à 101% par rapport en termes de réalisation. Pour ce qui est l'amélioration de la compétitivité, on est à 87%, puisque jusqu'à maintenant, beaucoup de filières ne sont pas encore mieux valorisées, ils ne captent pas la valeur ajoutée au niveau de l'EDA et qui demandent encore des investissements pour qu'ils puissent arriver à l'aide. Donc jusqu'à maintenant, les investissements sont aux alentours de 87%. Pour ce qui est protection de l'environnement, on est à 114%,
puisqu'on a injecté également donc tout ce qui se fait au niveau d'Yel Norwahed Jouj, au niveau d'Yel Warzazet. Suivant. D'autres indicateurs qui sont liés à la population directement, et tels que le produit brut, intérieur brut, il y a une amélioration, 1024-2009, 129, on est encore loin, comme j'ai dit, on ne capte pas encore donc, la valeur ajoutée au niveau de la zone, beaucoup d'engagement et beaucoup de travail de la part de la population pour qu'ils puissent valoriser et tout ce qu'il y a, minimiser les intermédiaires liés. Généralement, ils ne sont pas de la zone, donc ils viennent d'autres zones et donc ne font pas profiter pour qu'ils puissent capter, comme j'ai dit, à de la valeur. L'AF tourisme, l'AF filaha, l'AF culture, donc l'AF tourisme, la plupart, c'est des agences Mlbra, les intermédiaires Mlbra, les acheteurs Mlbra. Donc, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau de ce créneau pour qu'on puisse donc nous solder les 200 milliards de dirhams. Mouachir al-Faqra, il a comparé en 2007 le débat, mais il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de travaux à réaliser et on est encore loin par rapport à la moyenne nationale. Nisbel Dakhl Fardi, c'est la même chose, on est à 23%, mais beaucoup d'efforts doivent être fournis par la population elle-même pour qu'ils puissent donc capter les retombées de l'évolution de tous les secteurs. Nisbel Foras Shoul, également beaucoup de création d'emplois, le tourisme, malheureusement, avec le Covid, Allah yarfa alina. On est sur la bonne voie, vu qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont maintenant dans ce qui vous dit, mais elle m'a entré le plein régime pour qu'il puisse capter plus de main-d'œuvre. Le tourisme, mais il n'a pas capté. Il y a un secteur qui sera développé, Inch'Allah, mais la nouvelle stratégie de filaha, la transformation, il va capter davantage de l'investissement pour qu'il puisse employer davantage les gens. Le centre régional d'investissement, il encourage beaucoup les investisseurs pour qu'ils puissent donc s'implanter, pour qu'ils puissent également améliorer l'indicateur. L'autre slide, s'il vous plaît. Je donne un exemple de la date qui est بالنسبه للواحه وبالنسبه لينا حنا كقطاع كيخدم في الفلاحه شي حاجه اللي est-ce que je peux vous demander d'être un peu plus concis s'il vous plaît si ça ne vous dérange pas hein? problème انا الاخر دونك ماشي الاخر كيقولوا داكور D'accord, donc j'en passe 12, ça fait ma question. Je suis sur quelques réalisations. Un effort a été fait pour la réhabilitation des lois, pour le développement de l'agriculture ou la finisculture moderne au niveau de Mskiboudni. Le résultat, il est là, qu'un prévu, qu'un chantier royal de planter 3 millions de plants, il a été réalisé en 2019. مازال 2020 ما وصلاش كملناها هذه اللي حسنات بالانتاجيه الا شفنا الانتاجيه ديال التمر دزنا من 61 دارت فوا 2 دابا راه اون موين ديال 133 طن دو دات الا خدينا العام الاخر واخا الى اون ديبوندونس فيزافي ديال لي كونديسيون كليماتيك ولكن راه وصلنا تقريبا 150 اون اي بروج دونك هنا C'est une filière qui est vraiment l'ossature. Beaucoup de choses ont été faites, Eddy. Les quatre garanties viennent quand il y a une visibilité. La vie continuera au niveau de l'Ouaha puisque le palmier daté il est là. Ou quand il y a un akbar, le qita'at, leader, tchril, bnisbel, l'Ouaha. Suivante, s'il vous plaît. Donc, دونك هنا واحد المؤشرات كثيره اللي ممكن نسردها جوبا الكهرباء راه وصلنا كنا 100 ودابا اوني انا 99 وهذه اجابه لبعض التساؤلات اللي يمكن هاد لي دوني مالوغوزمون سو با ترو فولغاليزي وما كيعرفوش بزاف الناس مي il y a un essor ou la une évolution splendide beaucoup d'indicateurs le seul li baqini vraiment alarmant au niveau ديال الواحه هو الصحه لا في العدد الاسره
ولا في الاطباء مالوغوزمون الدوله كدير واحد ليفور كي لي ريكروت كيدوز اون اني دو وكيمشي بحالو دونك الا كتشوفوا لي طو راه نون با بوجي مالو مي اون كوني كي لي بوكو دو ميدسان لي دازو في الرشيديه دازو في زاكوره ولكن مالوغوزمون ماشي من لا زون كيدوزو 3 ans 4 ans وكيديروا وكيطلبوا لا ميوتاسيون ديالهم دونك هذا سي ان سيكتور او اون دو ترافاي انصوم بور اتيري سواء الناس اللي داروا الميديسين من لا زون باش يبقاو سواء نشوفوا دوطخ انسيتاسيون باش يبقاو لي ميديسان هنايا في لا زون وازيان سويفون سيل فو بلي. هنا كاين بريفي في لا استراتيجي باش دار 39 باراج jusqu'à maintenant 26 sont réalisés et 13 sont en cours ce qui témoigne bien effectivement la ressource elle est là il faut la rationaliser l'état fait à la BH ou à l'office la rationalisation il y a beaucoup de choses qui se font mais l'état essaye d'être pour qu'il puisse trouver un réserve une sécurité une stabilité au niveau de cette zone là suivante s'il vous plaît suivante. Donc, la contribution, je vais parler de la zone voisine, tout secteur confondu, chaque investisseur fait, quels sont les indicateurs, ou les fins de l'ONZOA. Donc, l'ONZOA est un petit peu de ménagier, c'est là, fait, quand on a dit que le mot chéret, quand on a dit ou quand on a dit, on trouve la priorité. لان ما يمكنش خصني نمشي للجماعه اللي باقا ضعيفه اللي باقي عندها دوك المؤشرات ضعاف نشوف مع السيكتور اللي باقي عنده تو ضعيف في شي جماعه دونك جاناليز جو بريوريز اي جو كونتراكت مع لو سيكتور ولا مع الجماعه ولا مع لا سوسيتي سيفيل ولا دون لو كا ايشيون بارفو سي لونزوا كي انترفين ال ميم باش يمكن لينا نشوف حسب الاولويات حسب الحاجيه وفين غادي نحسنوا المؤشرات اللي كاينين في الواحه. Suivante, s'il vous plaît. هنا ما غاديش ندخل في التفاصيل ولكن هنا هادو لي زانترفونسيون كنشوفو الواحه ولو تابعه لوزاره الفلاحه ولكن راه كتخدم في القطاعات كامله هذا هو الدور ديالها باش يمكن لي تروا سيكتور كيدخلوا دونك تو لي سيكتور دونك يخدموا معاهم كاملين في تو لي سيكتور كتشوفوا ثاني وهذا استجابه السي كبيري دونك كتشوفوا هنا كنخدموا مع الهيئه المنتخبه عندنا تقريبا 65 ديال الجامعات اللي خدمنا معاهم المجالس الاقليميه كلها خدمنا معاها الغرف المهنيه خدمنا معاها كلها القطاعات الحكوميه تقريبا 67% الجمعيات ديال المجتمع المدني 121 جمعيه يمكن قليله على خدينا ولكن تمشيو مع اللي ناشطه بحال ديالكم اللي عندها ليستوريك ديالها عندها لي كومبيتونس ديالها وعندها لا رونومي ديالها وكتعرفوا بان هذاك سي ديفيسيل بالنسبه لنا كانستيتيوسيون تو كونتاكت مع واحد مع واحد الجمعيه اللي ما كيكونش عندها القواعد ديالها دو بوين دو ريغلومونتير ولا دي باريتي ولا دونك كنمشيو لعند الجامعات اللي كيسون الجمعيات اللي معروفين دو رونومي وهذا كاين خدمنا مع التنظيمات المهنيه كثيره ديال الفلاحه غير الفلاحه هذه دونك مع 35 تقريبا و تا مولاي سدرا باش نقولوا لي بان ايفيكتيفمون خدمنا مع الكليات والمعاهد خمسات لي كونفونسيون اللي درنا مع ليا في مع لينا مع بنوزور مع دونك بوكو كاين بزاف ديال الدراسات حنا غير جي سيتي واحد لو 22 مليون بليزيور الدور كيما قلت ديال لونزوا ماشي الدور ديال الانفيستيسمون هي كتجي كرافعه كتجيب pour compléter que j'ai best initié que j'ai best un chez qu'il t'a j'ai dit il est sur la fille à l'aide de sol ou à 50 films ya donc qu'elle me chine mais bien c'est tout latin c'est le web c'est mieux steam ça dépend d'y aller secteur de 2000 mais qu'elle nous met jamais à qu'on a fait bien un d'art mise à l'india d'ailleurs donc on joue à plus mais qu'elle me met jamais à qu'on a fait bien un d'appli donc à ce moment là qu'elle t'a été vraiment qu'un demande au lion mais je vous l'ai dit que levier important suivant s'il vous plaît. دونك هنا هادوك اللي شفنا دابا قبل القطاعات اللي خدمنا معاهم غالبا في الانفراستركتور و بارفوا دي شوز لي تيبيك لونزوا مع ليفولوسيون اي كابيتاليز على ليكسبيريونس ديالها هاد السنوات الاخرى انفتحنا باش نديرو ونخدمو في ليكونومي سوليدير بور لا بروموسيون دو لونتربرونور يعني ملي تحسنات المؤشرات دونك الفو كابتي لي جون
وباش تغطي خصك يكون عنده واحد الدخل خاص لا ريشيس تحرك باش يمكن يتوف ان امبلوا ان ريفوني ستابل باش يمكن دونك انا ترافاي بور لا بروموسيون ديال لونتربرونور هنا خدمنا مع ليا في حسن 2 باش نديرو ان ديسبوزيتيف دانكوباسيون ديال لي جون لان الواحه ماشي هي الدار البيضاء ماشي هي طنجه دونك ديفلوبي ان موديل d'incubation spécifique, les contraintes, les potentialités ou l'esprit même des les voisins. Donc, il est à terme, il peut être inchallah, le modèle ils ont jusqu'à maintenant, ils nous ont donné 45 projets, toute la zone voisine, l'Ikdeminfia, et on les a, puisque on participe à la création, à le financement, donc les plateformes, les initiatives, les forces ZZ, Farachidia, prochainement, Zagora ou Figui, tous les projets, puisqu'ils sont étudiés, donc les porteurs vont les déposer au niveau des initiatives, Beshinkin, Issevdom, le financement, le projet il est là, et ils ont suivi des formations, un encadrement, donc ils n'ont qu'à déposer et à défendre leur projet. Quel également, je veux dire, l'Ikhwan dit le produit terroir, effectivement, l'ONZOA, elle est là pour accompagner et contribuer à la promotion via les unités de Tsmar Likenchoufou. L'ONZOA est intervenu pour construire certaines unités où il a achevé, non achevé, mais je connais opérationnel, où il s'est fait de l'Ikhwan. Quelle est galerie pour les femmes, l'Ikhwan dit le genre. Effectivement, le genre très important. Là, la femme, ou là, les jeunes, ou là, les handicapés. Donc, être les biens, même si nous la stratégie, et puis, des galeries, et d'eau, rachdec, comme dit Tinjdet, et les prochainement, rachdec, achevé, c'est tous les produits, qui ont des galeries, les féminines plutôt, ou qui ont des airfoot, et les équipés, qui ont, inch'Allah, l'ouverture d'hier, prochainement, ils savent quoi les jeux, mais j'aime qu'ils ne s'aiment le. كاين لا روز لا ميزون دو لا روز حتى هي اللي فيها بوكو دو فام في هذيك لا فيليير لونزوا الى كونتريبيون باش ديرها اي جون باس كاين دابا بدينا خدامين في ان اوتر هذاك هو لا كرياسيون ديال لي زوبورتونيتي دونك كاينين لي زيدي كما كنقولوا كيبقى الانسان الواحد الى لا اون فا با لوي دوموندي دينوفي شي حاجه اللي ما عمرو شافها ولا ما قراش الا ما جابوهاش له الناس ديال ولادو ولا هادو هو راه الى لا دونك هنا اون في بوكو ديتود اللي كيكري دي زوبورتونيتي ديال الشغل ديال الانفستيسمون دونك هنا اون اي بري الي بارطاجي مع اي بورتور دو بروجي سوا مع لي زاسوسيون ايغالمون اللي عندهم دي بورتور الى يمكن اللي ينيسي هذوك سون دي بروجي اللي كاينين كبار اللي خسروا جروبمون كاين دي بيتي بروجي اللي ديفلوبي و غارونتي لي جون اللي بغاو يتانستالو او نيفو ديال لا زون وازيان كاينين ثاني بليزيور دونك ان اكومبانيمون ان ابي فينونسيي جو تقريبا واحد 46 ولا 47 ابيلا بروجي اللي دارت ديزي لي واحد الجمعيات واحد التعاونيات اللي جابوا واحد ليدي جديده اللي كتديمينيو ولا كتمينيميزي ليفي ديال الشونجمون كليماتيك على لاكتيفيتي ديالهم مي باش الفيلا حبش دونك هادو ايزيتي بري اون بارلون زوا ou il a financé les projets, la plupart, 70 ou 75%, ils sont en activité. Suivant, s'il vous plaît. Mohamed, je m'excuse. D'accord, donc je vais prendre les images donc, de vous passer. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui والبيئيه هنا سيتي نوفيل ابروش لان فعلا كما قلت لي زانديكاتور تحسنوا المؤشرات الاقتصاديه كاينه اون دوموند كاين دي زانفيستور اللي كاين كيجيو دونك خصنا نحسنوا هذيك التحسين ديال الواحه ككل ما نبقاش نشوف واش كيدخل ولكن حتى السيد خصو يحس بان ديك لا في ديالو ديال الواحه اوسن ديال الواحه راه تغيرات ولا عنده لي بيس ولا عنده الضو ولا عنده لي زيسباس دو ريكرياسيون ولا عنده دوك لي ميزون دو جون دونك تو داكشي اللي كاين في المدينه يولي عنده هنايا سون دي ناتوري بيان سور لو بيزاج اون اونتي دونك اون انترفيان توت اون ريسبكتون ديك لا بيزانري ديال الواحه دونك زيد سويفونت دونك هاد لو بروجي راه كنديروه مع الفلاحه بشراكه مع لوتوريتي لوكال مع لي زايوا دونك اللي شفتو البرنامج جد شامل وانتيغري فيه
المعدات اللي كنعطيهم كما قال السي داوود فانيسي على لانسوندي هذه مع الاخوان ديال ليزايو. ارجوك سي محمد الا يمكن لك دير الخلاصه ارجوك لان باقي لنا التدخل ديال الاخوان وبقى سيسيا اخرى ارجوك اذا كان من الممكن دير خلاصه يعني في دقيقه اذا كان من الممكن. شكرا. D'accord, donc les interventions de Lonzoa, donc ils ont touché, donc, comme j'ai dit, les trois volets. Donc, il y a quand même l'intervention partout. Donc, le paysage, les deux, c'est donc, quand même, tu vois, donc, c'est des photos qui veulent quand le Waha, qui veulent briner tout le lit, sont dénaturés. Il y a, donc, le Waha, tout ce qui est l'ensablement, tout ce qui est protection, tout ce qui est eau, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est activité. Il y a, كنشكر الاخوان ديال لاوفير لان كانوا هما اون انيسي اونسومبل في 2016 هاد ليدي مع لا كوب دونك راه سي او كي سوكوب دابا جوسكا مانتنون ديال لا فولغاريزاسيون ديال كونتر لي زانسوندي. كيما قلت لونزوا خدمات الى ايسي دو موبيليزي اي بلودوايي بور افوار بلوس plusieurs plus d'argent pour qu'ils puissent accélérer donc le rythme ديال l'exécution ديال les chantiers. Donc la recherche est ouverte, beaucoup d'études, beaucoup d'infos, il est disponible. Et tahiya wa ijlal wa ihtiram l'insan wahati rijalan wa nisaan shuyukhan wa kuhulan sigaran wa kibaran ou ghanhass brasi ma3hom w ana kanchkorkom et merci. شكرا شكرا سي محمد ومعذره الا كنت كل مره تندخل لان عندنا ضغط ديال الزمان وبغينا نعطيو فراس كذلك الاخوان اللي متابعين معنا وهكذا. شكرا جزيلا. طبعا الوكاله قامت باعمال جميله جدا وتقوم والمنهجيه والمقاربه علميه اللي تعتمد على الانديكاتور. فشكرا جزيلا. وبما اننا وصلنا الان لكل المتدخلين عندنا واحد العدد ديال غادي نفتح المجال للاسئله اللي كيتابعوا معنا الى عندهم بعض التساؤلات. عندنا جوج الانماط, عندنا الاخوان اللي داروا الملاحظات ديالهم وغادي نطلب من الاخ سي الحسن كبير اذا كان من الممكن يدير لي واحد الترك واحد انسانتاز بمختلف التساؤلات وغادي يدخلوا عليها الاخوان المتدخلين كل واحد من هكذا. وين شي متدخل بغى ياخذ الكلمه هكذاك مرحبا تفضل سي كبيري. شكرا الاستاذ محمد فتوحي على الصبر ديالكم وعلى التتبع ديالكم ديال هذا اللقاء وشكرا للزملاء على لي زيكسبوزي ديالهم. كان العديد من الاسئله مطروحه هنايا في الشات, من بينها مثلا الدور ديال مثلا استراتيجيه ديال الفلاحه والمغرب الاخضر اشنو عطات للواحات بريسيزمون. كذلك من بين الاسئله اللي مطروحه القضيه ديال الماء والمشكل ديال التعريه واللي علاقه مع لونفازمون ديال لي باراج اش كيقول السي محبوب في هذا الاتجاه. كذلك من بين الاسئله اللي مطروحه الدور ديال الشباب ديال المنطقه دابا وصعوبه يديروا المشاريع ديالهم الفلاحيه. كاين واحد كتب بان غادي يقراو الناس الدراري ويشدوا الدبلومات ديالهم ومن بعد خصهم يمشيوا على برا يخدموا. واش كاينه شي استراتيجيه ولا شي حاجه اللي غادي تمشي في التسهيلات ديال هاد الناس؟ من بين كذلك الاسئله اللي تطرحات الجميع هي واش كاين شي نموذج تنموي اش من نموذج مثلا هما دابا كمسؤولين ولا كاولاد البلاد ولا كخبراء شي مثلا نموذج تنموي واش نقدروا نقولوا نتفقوا بانه موجود بالنسبه للواحات ولا هو سيكتوريال. كلك من بين عاود المسائل اللي هي طرحات في الاسئله التثمين كيفاش دابا كنقولوا اللي فهمنا في بعض الاسئله بان كاينين دابا كنقولوا كاينين بزاف ديال لي بوتونسياليتي في المنطقه ولكن المؤشرات كي تحسنوا فعلا ولكن مازال واحد بحال كاين واحد البارادوكس. هل الخيرات عطاهم الله وهل الهجره ديال الشباب كتكون واش كانت تماك شي معادله اللي ماشي هي هذه. وكيقولوا كذلك شي وحدين تيقولوا واش كاينين فريمون مشاريع مندمجه دي بروجي انتغري واش كاينين ولا غير دي بروجي سيكتوريال. و
واحد السؤال اخر كاين في الميل كيقول لك اش من بحث علمي فريمون كيتدار في هذه المناطق هذه الا كاين شي بحث علمي اشنو عطى هذا من بعد من بين الاسئله اللي وكاينين شي واحدين اخرين مثلا كيقولوا لك واش الطاقه المتجدده مثلا يكون عليها داك لا سيفونسيون باش يلقاوها الفلاحه ولكن قال لك هذا واخا كاينين طاقات متجدده يتبعوا باش ما يجبدوش بزاف المياه اللي قال واللي قال كوسي باش نكمل القضيه ديال المهم كيفاش هاد المشاريع هادو واش حافظوا على 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 على, 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 على البيئه ولا ما حافظوش عليها هذا بخلاصه استاذ التحيل شكرا شكرا سي كبيري على هاد العمليه التركيبيه اللي قمتي بها ما عرفت من الاخوان قبل ما نعطي الكلمه للاخوان المتدخلين باش يجاوبوا واش كاين شي واحد من الاخوان اللي كيتبع معنا بغى يطرح سؤال وبغى يدير توضيح بشكل جد مركز لان عندنا مشكل ديال الوقت اللي بغى ياخذ الكلمه يفتح الميكرو ديالو وياخذ الكلمه اذا ما كانش غادي نكتفيو بالاسئله سي محمد بن يزيد بغيتي تطرح شي سؤال نعم اسيدي بغيت نطرح واحد السؤال السيد العميد تفضل واش عنده دي كونفونسيون مع الجماعات القرويه والجماعات الحضريه واش لا اف تي عندها دي كونفونسيون ومع المجالس لي سي بي تي وديفيرونت كونفونسيون دون لا ريجيون واش السيد العميد يمكن ليه يدخل لنا الجامعات الوطنيه لينام جامعه الاخوين وفرقوا في هذوك المناطق باش الجامعات والطلبه هما اللي ياخذوا هذا اون بارتي ديال هذا الشيء كاع اللي تيروج السؤال الثاني الاخ اللي هضر على التاريخ ولا كولتور والملحون متى وكيف إن دطرت التراث وداك لو سافوار فير وكيفا لو سافوار فير لوكال نعم زعما مشى الى سولوفي دي بوان سور كي لا و il faut sauvegarder le patrimoine le savoir faire la construction en terre et tout un tas داك لا tout ce qui est culturel اين تمشى هادشي et pourquoi il est parti ومرة اخرى نشكر الاخ ديال لونزوا avec qui j'ai travaillé enfin, le projet de l'aide de Hadj Ali au centre-ville de Timrir. Le Moubadara Dialom, c'est moi, je suis là. Il a aussi soulevé l'Arc des Lanzois qu'ils ont sélectionné aux alentours de 120-130 associations de la zone, qui est peu. Mais le critère Bachradin Ramzian, ils doivent sélectionner les associations porteurs de projets. وتكون عندهم une bonne réputation locale. Il y a 10 milliers d'associations, mais qui sont là de forme. Et encore une fois, merci Sy Kabiri ou le Jumu'a ou le Smehli à la perte de temps. Merci à vous. شكرا سي باليزيد تنقترح عليكم نظرا لان اكيد عندنا اسئله مكتوبه نعطيو الكلمه للاخوان المتدخلين كي اسئله غادي نعطي بكيفيه كل واحد من الاخوان المتدخلين نعطيه الى عنده شي رياكسيون الا كاين شي سؤال يتكلم. وغادي نبدا بالسي كريمي سي كريمي كان السؤال تطرع الثقافيه سي كريمي باقي معنا لا مشى مشى غادي من بعد تيظهر ليا انا تنقترح غادي نشوفوا الاخوان المتدخلين ولكن شي جواب يمكن يجي من القاعه السيد العميد مولاي ابراهيم واش راك باقي معنا بالفعل انا معكم سي فتوحي تفضل كان واحد السؤال ديال الشراكه ما بين الجامعه وما بين المجالس المنتخبه ما بين المجالس المنتخبه الجماعه الترابيه خاصه تفضل تماما اشكرك سي فتوحي واشكر جميع الاخوه اللي دخلوا لان تبعت جميع المداخلات وكانت غنيه جدا حتى المداخله ديال سي محبوب زعما راه رائعه وديك وزوينه غنبقى نقول سي محبوب ما يبقى يوجد والو مزيان داك الشيء وكنشكر الاخ اول ابراهيم راه كاين الخبره اشوف وراه غيحسب يقول لك راه غيحسب يقول لكم راه انا جا بروفيزي لا هذاك الشيء مزيان مولاي ابراهيم
الله يكبر بك. كنشكر ديال لونزوا باسكو لا في اون تري تري بيل اون تري تري بيل بريزونطاسيون. Malheureusement, il était contraigné par l'OTAN. Il y en a l'OTAN, mais quand je fais ça, les Nakamlin, ou Moudakhala, quand je crois avec l'appel à projet pour la recherche, comme il l'a fait, c'est Mahbou. Alors, concernant la question directe, c'est Ftouhi. C'est Bli Yazid Ratahoua, c'est ce qu'il y a de la convention avec les Jamaat, les Qarawiya. C'est Jamil Jiddan, c'est Mabikoul, c'est Mabikoul, c'est Mabikoul, c'est Mabikoul, c'est لا يمكن أن نسمع السؤال ندعي بأنه نمتلك جواب. أتمنى ونتمنى سيب اليزيد يفتح لنا هذا الباب إلى عنده شيء إمكانية، وأنا غادي نتحرك على هذا الملف هذا من اليوم ماشي غدا، من اليوم سي كبير غادي تقطع معايا الصباط، لأن درت اتفاقيات كثيرة مع وفد الصناعة التقليدية مع بزاف ديال الشركاء، لكن هذا المجال هذا اللي تفتح لنا ديال الجماعات القروية غادي تكون جميلة بزاف. لكن باش نمر للشق الآخر المرتبط بالنقاش بشكل عام، وطرح الأستاذ أيضا سي بلي يزيد في السؤال ديالو الثاني هو ديال الجامعات الوطنية، ورغم أني لم أفهم كثيرا السؤال لكن إلا فهمت شي حاجة وقد يصححوا لي، هي واش ممكن أننا نجلبوا ديك التجربة ديال الجامعات الوطنية الأخوين لينا نجبدوها للمنطقة باش أننا نخليو داك التلاقح ديال الطلبة، هذا ما يورد بالسؤال باش التلاقح. أنا هادشي اللي فهمت السيد العميد، هادشي اللي فهمت اللي قلت يحج في نفسي. انا كنشوف تما تنشوف لا سي تي بي، تنشوف لا جي زد، تنشوف لا اجون ديفلوبمون فرونسيز، تنشوف يا توت لي جابوني لي غارمون الناس ديالنا، وخك عندنا لي مويان لي كومونيكاسيون بلو فاسيل هي تيرمون. وشكرا، سمحوا لي. لا شكرا سي بلي يزيد، انا فعلا هذا ما فهمته لان السؤال كان جميل جدا. أنا أعتقد بأنه من مسؤوليتنا، ماشي فقط هذه من باب اختياري، من مسؤوليتنا سان انجاجمون سان دوفوار اوسي دو شيرشي ا ايتابليغ دي كولابوراسيون ا ليشي ناسيونال ميم انترناسيونال توتون موبيليزون سو كون ا ليشيل دو لا بروفانسي دو لا ريجيون اي اون كوبيرون دابور هوريزونتالمون. سي كون عندنا واحد الشراكات افقيه هي انا مثلا انا مع الحاوض مع السي عبد الرحمن مع لون الزوا مع السيب الرحو مع جميع الفاعلين لو بي بي تي سي جي ام كلشي، تكون عندنا بعدا واحد لو فيكتور نديرو واحد المتجهه قويه هوريزونتالمون، بهذاك لو فيكتور ممكن ندخلو حنايا مع الجامعات مع الشركاء على مستوى وطني ودولي باش نقدروا نصنعوا حنا ان بلون داكسيون ان بلون كونغ لا بلون سي اون تران دو باري لا جيومتري، لان عندنا ان فيكتور هوريزونتال نقلبوا على ان فيكتور فيرتيكال غادي نصوبوا ان بلون، لان خصنا دو فيكتور سي كلير. جو بونس بان بهذه الطريقه هذه ممكن نجلبوا ديك التجارب الوطنيه والدوليه والجامعيه على سبيل المثال عملوا شي حوايج. انا غادي اذا سمحتي سي فتوحي غير لكي اتمم هذا الجواب على السؤال بتمني في الحقيقه. شنو التمني انا اللي عندي؟ هو اذا قدرنا نخدموا بواحد المنهجيه، لانه لي كونفيرونس ايل فون با فينير، لي ويبينير ايل سون بوفير دون لو طون. Alors le problème, là, on va se retrouver dans la même position, dans la flèche du temps. Quand vous regardez le Khawras 9, le mot d'être, le temps et le temps, on a un jour qui a dit un hafl ilmi ou un taqafi, comme ça, c'est qui dit un si kabir ou jamil, et la question n'est pas qu'on ait un si kabir ou un jamil. Où est-ce qu'on peut faire ce qui nous a fait aujourd'hui? On a fait la force motrice, parce que c'est la force. راه احيانا ما كيكونش العيب في اللي صنع في السياره، واش حنا قدرنا نديروا شي حاجه اللي نحركوا ديك السياره. هذا النشاط هذا هو سي ان انجان بريباري بار ان جروب دو بيرسون اي داكتور اللي كلهم هذو اللي شاركوا اليوم، سواء فرالي البلو اللي وجدوا لنا هذا النشاط او اللي داروا الانشطه ديالهم اليوم من خلال التدخلات ديالهم. ايزون في ان ترافي اكستراوردينار نو غيست de notre tâche et de notre devoir de chercher à faire bouger de l'activité à travers les coopérations. Il faut un suivi si Kabiri, il faut un suivi si Ftouhi. Sinon, on sera obligé à présenter pendant 20 minutes à obtenir un exposé et rebolote. Mais qu'est-ce qu'on fait? 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 Qu'est-ce qu'on fait?
pour créer un institut, pourquoi j'ai toujours plaidé. Le plaidoyer qu'on dit, nous à la واحد حاجه اسميتها ان اوبسيرفاتوار المرصد الاخوان على فكره تقدر تبان لكم انا سطحيه راه هذا المرصد شيء جميل جدا ولا استطعنا نخرجوه من سيناتور بحال هذا اشنو غيكون في ذاك المرصد هي انه بحال هاد الانشطه اللي كيخرجوا منها 100000 توصيه كتخرج نقولوا واحد يكون عندنا ان كالندري جو تيرمي ري باسات فراس تفتحي اون دو ايتابلي ان كالندري ا ترافير توت لي ريكومونداسيون ايشو اي كي سورت comme output de ce genre d'activité, et établir un programme. On va réaliser 10% ce semestre, 10% le second semestre, et ainsi de suite. Il y a un programme de l'agir. شكرا سيد حميد شكرا سيد حميد الكلمه للسي محبوب اللي عنده شي تفاعل مع السي محبوب شي تفاعل مع الاسئله داكور ميرسي بوكو مسيو فتوحي دونك جو فودري ريبوندر واحد لا كيسيون ريلاتيف ا ليروزيون اي لونفازمون دي باراج ديجا ايفيدامون دو بار سا بوزيسيون كوم جي ديجا دي لو سوديست ماروكان. Donc les oasis se situent, c'est-à-dire à l'aval du Piémont. Donc évidemment avec les pluies torrentielles et le couvert végétal qui est très, c'est-à-dire minim, donc il y a l'érosion du sol, ce qui induit à l'envasement des barrages. À titre d'exemple, par exemple, barrage Hassan Dakhil, on reçoit 800 000 à 1 million de mètres cubes d'envasement chaque année, donc ce qui fait la capacité du barrage est passée de 380 millions en 1975 à 312 millions cette année-là, donc ce qui fait pratiquement 1 million de pertes, de mètres cubes de pertes chaque année à cause de l'érosion. Toujours, mais n'empêche qu'il y a un programme justement pour faire, parce que nous avons des inondations de vitesse aussi, parce que l'érosion est causée par la vitesse, donc ce qui fait pour briser les vitesses, donc au niveau du cours d'eau, il y a des seuils de retardement, un programme de seuil de retardement, et il y a aussi des barrages, par exemple pour le barrage Hassan Dakhil, nous avons un programme, un barrage Esbouel Hassan à l'amont, qui va jouer le rôle justement de stopper les éléments pour réduire l'envasement au niveau de cet édifice. Aussi, nous avons, il y a aussi un programme des eaux et forêts justement pour minimiser justement ce phénomène. En ce qui concerne la question posée relative à la recherche, nous avons des conventions de partenariat avec plusieurs universités, dont notamment l'université Moulay Ismaïl, donc Moulay Ibrahim en fait partie déjà, et nous faisons annuellement beaucoup de projets de recherche pour répondre à celui à la personne qui a posé la question. La recherche, on fait la recherche mais relative à l'eau, c'est notamment l'hydrologie, l'hydrogéologie et la géologie. Mais la question de ce monsieur, il est pertinente. C'est-à-dire la question, elle est par exemple le palmier dattier. Les Hadith, personne ne peut dire la consommation optimale du palmier dattier. Évidemment, là on dit 9000 mètres cubes, si d'autres félicit peut vous corrigez, je parle, c'est-à-dire après son aval, quoi. Donc, 9000 mètres cubes par an, par hectare, et il y a la consommation, parce qu'on autorise un stress pour le palmier dattier, alors que le Californien BSRL, 24000 mètres cubes par hectare. Vous voyez qu'il y a un smardiel, par rapport à ce smardiel-là, il y a un palmier dattier, et sous je viens dire stress, donc ce qui fait qu'on adopte 9000 mètres cubes par an par hectare. Donc il y a beaucoup de projets de recherche mais relativement les ressources en eau, où est-ce qu'il le monsieur
la question est pertinente. Il faut orienter la recherche vers la consommation, vers les variétés, les romans, c'est-à-dire au niveau de la zone des oasis, au niveau aussi de le type de spiritualité qu'on produit, demain, l'engraissement de demain, la formule optimale. L'étude du sol, les engrais, les adopter en fonction de la nature du sol, ça, il faut orienter les recherches, Mahamoul Ibrahim, les universités, les écoles, là, a le sens. Amma, sur le cas de l'hydrogéologie, les ressources en eau, nous avons chaque année plusieurs projets de recherche, on peut témoigner, Mahamoul Ibrahim aussi. Évidemment, nous avons beaucoup de barrages à construire. La commission régionale pour fixer la priorité, parce que nous avons chaque province, la province de Rachid, Tienrer, Zagoura, Midel, Tfigik, nous avons un large programme relatif aux barrages et au seuil de recharge artificielle d'INAP. Et je vous remercie. السي فتحي رجاءني لساليتي التعقيب بغيت غير كلمه بكلمه في جوج ثواني طيب شكرا السي محبوب ومن خلالك شكرا لوكاله حوض المائي كنعتقد هذا التفاعل ديال هذا الحمد لله النشاط سيد العميد تفضل ميرسي بوكو شي رامي انا جوست بور ريبوندير سور لا كيسيون جو لي اوبلي اون فيت كونسيرنون لامباكت دو لا ريشيرش سانتيفيك اي كيل ريشيرش سانتيفيك اون فيت سي كيسيون فوندامونتال انا جو ميكسكوز جو لي je m'excuse, je l'ai oublié, mais la réponse elle est déjà dans la question posée par Sibli Aziz, c'est Mohamed, qui a parlé de ces conventions avec les je ne sais pas ce que vous m'entendez. Oui. Il y a une interférence, Je pense que la réponse à cette question de grande relevance, elle réside déjà dans la question posée par Sibli Aziz, qui a interpellé ces conventions avec les collectivités locales. Je pense qu'il serait très important de passer à des réponses à travers ce genre de conventions. Pour la recherche scientifique, je dois quand même... À l'échelle de l'établissement, il y a des travaux de grande envergure, de grande qualité qui s'effectuent dans pratiquement tous les départements. Je signale juste les départements... De spécialité de la FST, à savoir la géologie et aussi la biologie. Et il y a des choses qui se font. Ce qui manque peut-être pour ces recherches scientifiques, c'est de renforcer les conventions et les partenariats pour que ces recherches-là puissent être à la disposition de la société. Merci beaucoup, Siftouhi. شكرا هذا هو البحث العلمي الوظيفي النافع شكرا الكلمه الان للفلاحه من خلال السي داوود اذا كان شي تفاعل على اسئله التي طرحت ميرسي سي فتوحي بيان سور كاين تفاعل دونك يا بوكو دو كيسيون كي سون ادريسي بوتاف كي كونسيرن لاغريكولتور مي افون سي فو بيرميتي بيان جو في بروندر deux minutes pour donc je profite de l'occasion pour saluer et remercier tous les intervenants ce soir ces experts notamment donc je vais parler en particulier de monsieur Lhassan Elbache qu'on a perdu de vue ça fait longtemps et qu'on a peut-être retrouvé aujourd'hui mais également je remercie et je salue monsieur le doyen de l'AFST, c'est Moulay Ibrahim Sedra, pour son exposé très clair et très concis, et très intéressant. Ça montre bien sûr son expérience et son expertise dans le domaine. Mais sans oublier bien sûr notre collaboratrice Emilia Arnoux qui est avec nous et qui nous est venue de l'autre côté de la Méditerranée pour développer les zones oisiennes dans le cadre des activités de la OFEP
créé à l'aube de ce 21e siècle et qu'on a toujours côtoyé. Donc c'est un fait qui a fait beaucoup de choses dans la région. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux depuis le début des années 2000. Je remercie tout le monde, je remercie Siftouhi Elad, l'organisation et l'animation de ce webinaire. Donc je passe Je demande ma carte d'être un oisien aussi. Oui, moi je vous la donne. Je suis oisien, je donne la carte à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde qui Moi aussi je donne. Hein. Oui, moi je merci beaucoup. Ah ben voilà, la rencontre elle est réussie mille fois avec maintenant. Oui. Merci beaucoup. Donc je vais passer rapidement, je vais essayer de répondre à quelques questions parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions. D'ailleurs, il y a des gens qui sont intervenus et qui ont parlé à la recherche, etc. Quelques questions qui concernent directement l'agriculture. Je reviens à la langue arabe. Si on a parlé de Dor Mortat, le Maghreb al-Akhdar, le Wahat ou l'Istratégia, c'est un domaine. Mortat, le Maghreb al-Akhdar est venu pour encourager les agriculteurs, pour donner des aides à ces agriculteurs, à ces investisseurs. Bien sûr, il y a, comme vous savez, le pilier 1 et le pilier 2 du plan Maroc vert. Le pilier 1, c'est un petit peu l'agriculture moderne pour faire face, comme j'ai dit tout à l'heure, à produire pour le marché national et international avec des normes très, très, très développées. Mais également, donc, le pilier 1 et 2, qui concerne l'agriculture solidaire, et là donc il y avait des projets très importants, notamment les unités frigorifiques et les unités de conditionnement des bêtes et d'autres produits de terroir, les aides financières de l'État, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des aides très importantes qui vont pour l'irrigation goutte à goutte par exemple jusqu'à 100% pour les superficies de moins de 5 hectares. 80% de la facture pour les superficies supérieures à 5 hectares. Et pour les plantations, nous avons 70% de la facture d'acquisition des plants avec, bien sûr, à chaque fois des plafonds. Pour la plantation, un plafond de 35 000 dirhams par hectare. Donc là, c'est très important. Et pour l'agriculture solidaire également, donc il y a des aides qu'on donne. Et on construit des canaux d'irrigation pour limiter les pertes, augmenter l'efficience des canaux d'irrigation. Et j'en passe, il y a beaucoup, donc on n'a pas beaucoup de temps pour aller jusqu'au détail de cela. Pour mais je pense que tout à l'heure, c'est Moulay Ibrahim Sidra a parlé de la fierté de l'appartenance. Le retour des expériences dans la zone. Je pense que si on est fier d'appartenir à ces oasis, on trouvera toujours, moyennant des réunions comme ça, des visites pour les administrations qui travaillent dans la région, l'ANZOA, l'Office, la FST, etc. On finira par aimer la région et donc revenir dans la région. Et les projets, c'est pas ça qui manque. On peut toujours orienter les gens pour des projets qui sont très diversifiés. Et il y a beaucoup de projets, que ce soit la phéniciculture, d'autres espèces, mais il y a aussi des projets de production animale, notamment l'apiculture, qui est très, très, très intéressante dans la région. C'est des projets qu'on peut toujours montrer aux gens s'ils viennent, ces jeunes dans les administrations. Concernant Namoudesh Nemaoui, je ne vais pas entrer dans le... Il y a des modèles de développement, des modèles pour ces développements. Et je reviens, je vais directement sur la valorisation. C'est vrai, on valorise, on essaie de valoriser maintenant, de faire des conditionnements de dates, de produits de terroir, etc. Mais le plus important, c'est le marketing, c'est chercher l'écoulement de cette marchandise. Et j'ai parlé tout à l'heure des tuyaux et des pistes pour
exporter nos produits, mais encore faut-il les travailler de manière saine et donc sanitaire, bien sûr, avec l'ONSA, avec l'Office national de la sécurité des produits alimentaires, et aller de l'avant dans ce cadre. Les projets intégrés, on en a parlé, il y a des projets qu'on mène avec l'ANZOA, l'AOFEP, comme j'ai dit tout à l'heure, la protection civile, les autorités locales et les offices, etc. C'est des projets intégrés qu'on essaie qui font donc qu'on essaie d'améliorer nos palmeraies et nos oasis pour une attirance et pour une attraction envers les gens et envers les oisiens et les anciens des oasis. Concernant le Ilmi, M. Moulay Ibrahim et Simbou en a parlé, et je pense que c'est très important, question de fertilisation, question d'économie d'eau, etc. C'est là où il faut travailler. Et j'arrive donc à la dernière question, peut-être qui concerne le parc al-Moutajdida, donc les énergies renouvelables, concernant les aides de l'État, etc. C'est vrai, on pense et on réfléchit dans ce cadre-là, et on a commencé déjà à installer des plaques solaires, mais pour des groupements d'agriculteurs, des coopératives, parce qu'on ne peut pas, on pense toujours, c'est vrai, on économise l'énergie, mais si on installe ces systèmes pour individuellement, et il y aura des pertes et une exploitation anarchique de la nappe, et c'est ce qu'on ne veut pas. Et maintenant, on essaie de travailler avec des groupements professionnels, des associations, des coopératives, pour équiper un seul forage pour plusieurs personnes. Et dans ce cadre-là, je termine par ça, on a une expérience juste à côté au niveau de Rachidia, dans la zone de Temesint, où 42 jeunes se sont regroupés dans un cadre bien organisé, et on leur a équipé 12 forages et deux bassins, de grands bassins qui avec 80 000 mètres cubes de capacité, et on leur a planté 3 hectares de palmiers dattiers. Ils sont très bien, 42 jeunes. Donc 42 jeunes, ce qui dit 42 jeunes dit 42 familles, et c'est un exemple, c'est parmi les success stories de la région. On espère qu'on va dans ce sens pour économiser et chercher à faire des projets un petit peu donc qui protège et préserve notre patrimoine aussi bien de l'eau que du phénicicole. Merci beaucoup à tout le monde, et je termine par ça. Merci. Si vous permettez, M. Ftouhi, j'ai une contrainte, est-ce que je peux vous quitter? Salam alaikum. Je dois demander la parole à M. Ftouhi. Si tu peux attendre avant que je prenne la parole. Non. Je dois. Regarde, on parle de Steve Tuhi, a-t-il le kalima? C'est pas chouïa, mais je suis juste en train de dire le kalima d'y aller. Il est mon kil. D'accord. J'ai une autre réunion, j'ai des contraintes, donc il me crée mon kil. Alors, Radin, on a dit le kalima, le si Bachar. وبما ان عندنا كونترانت عند الاخ ديالنا سي عبد الرحمن تنتمنى من بقيه المدخلين يكونوا جد مركزين باش نخليوه يخرج ان شاء الله في الوقت ديالو ويحضر الالتزام ديالو للاخر. فاذا الكلمه الاخ الممثل ديال الانزوا سي بشار محمد تفضل. ميرسي سي فتوحي. دونك بالنسبه لي عندي واحد غنهضر على لو فولي ديال لا ريشيرش. كتسمعوني؟ كنسمعوك تفضل سي بشار تفضل. دونك بالنسبه للي بروجي دو ريشيرش دونك اي نون مون با عند لونزوا، وكما قلت اون كخوا على ريشيرش، اوني اوفير على ريشيرش، ومن هذا المنبر اي واحد عنده فكره جديده ممكن نساهموا فيها الا كانت عندها واحد لامباكت ديريكت على الواحه ولا على السكان ديالها. بالنسبه لدي سي كما قال سي محبوب، كاين بوكو دو ريشيرش اللي خصهم يداروا على لو بالمي. اون ا انيسيي بليزيور جون سيت، واحد الخمسه ولا سته
كاين نبدا بالاول اللي قال هو على الماء ايفيكتيفمون لحد الان كاين تضارب سورتو لانفيستور اللي كاين بودنيب حتى باش نحاولوا نوقفوهم سيونتيفيكمون تقول له راه ايفيكتيفمون البيزوان ديال الماء راه هو 9000 ولا 10000 هاد لا دون سيونتيفيك ما كاينش pour cette raison كاين اون كونفونسيون اللي سينيناها مع لينرا ان شاء الله هاد العام غادي يعطيونا لي بروميير ريزولتا اللي تحديد ديال لا كونسوماسيون ديال لو ديال لو بالمي في 3 ستاد صغير موين اون بلان برودكسيون هذا لاكس لو ديال لا ريشيرش ثاني كاينين دي زونيتي اللي كيما قال السيد داوود تبناو في الواحات كاملين مالوغوزمون اون ميتريز با لي كونديسيون دو ستوكاج لان عندنا الا خدينا تونس عندهم فاريتي وحده دونك ميتريز بارفيتمون حنا عندنا 240 فاريتي دونك اون ميتريز با ولي كونتيتي قلال اون اوبليجي دو ستوكي 4 ولا 5 د الفاريتي في ان سوليو هذه عطاتنا درنا اون كونفونسيون ثاني مع لينرا لان هي المخول لها قانونيا باش تصدر دي بارامتر دو واخا واخا في الفلاحه اولا لا لي فاكولتي حتى هما الا كانوا داخلين معنا لي زورغانيزم دو ريشيرش هما اللي عندهم الحق يعطيو سي با اون ايتود ولا دونك درنا مع اون كونفونسيون دو ريشيرش اللي لي بروم ريزولتا غيكونوا هذا العام ان شاء الله هضر سي محبوب على لا فيرتيليتي دو سول ايفيكتيفمون مع لينا اون كونفونسيون اللي كي سيتا سور 3 زون بور ايتابليغ لا كارت دو فيرتيليتي ديال توت لي زوازيس دو ماروك اون اوتر شوز كاينه ليتا سانيتير ديال لي زوازيس درنا ثاني اون كونفونسيون مع لينرا وعطاتنا ليطا ديال البيوض في لي بالميري كلهم اعتمدنا على جوج تقنيات التقنيه الاولى فيجيتال مع الانفيديا وكتعطاتنا واحد 17% ديال لي بالميري ماروكان سو اتاكي بار البيوض دوزيام الي اون كور وهي غنعتمدوا على لو سول جو كومبليت ولا جو لا غير تيجيوني التليفونات تيقولوا لي الاخوان دونك على ديال لو ستون لان اختصار لان بلو فيام وكتعطيك كتعتمد على واحد التقنيه جديده لا بي سي ار دونك حتى هي الي اون كور اون كارتوغرافي 50% اي الغي 50% باش نبقى ثاني في ايطا ديال التمر اللي كنعتبروا هو لو ساتور كاين بوكو دو ديشي سيتي باسي داوود توت لي بالميري كانوا كيستعملوا الطهي هذه ما بقاتش maintenant yalla tsinat une convention que dernièrement en décembre ma wa'd la fondation qui la plupart يعرفوها ماسير اللي كدير خدات plusieurs prix هذا العام حتى ديال كوفيد اللي باش دينا ان بروتوكول دو فابريكاسيون ديال بابي ا باز ديال لي ديشي ديال ان بروسيدي اندستريال بروفتي اللي نعطيو لاي انفيستور وهذه غتخلصنا من هذا الشيء كامل اللي كاين في الواحه ثاني deux études li drna sous forme de recherche ta huma li bach kharajna men had les palmes y wli bois composite ou la des bûches pour le feu bel siyaha yalla siyaha ala siyaha nkemlo si bachar yalla ala siyaha tfadal bach li ha nkhliha siyaha pour le moment kayna merzouga tout le monde il est connu à l'échelle mondiale les maghrebins kayarfouch walakin ghada f wahed l'anarchie خصنا نحافظوا عليها باش يمكن لها تقد تدخل هذوك الناس اللي عايشين تما دونك دارت اون ايتود فيها لا ريشيرش فيها بوكو دو شوز باش ديليميت داك البلاصه ولكن الاشكال ديال لي بيفواك هو لا داك لو ليكيد ديالهم دونك دار ان بروتوتيب تيبيك واحد باش يستعملوا اي بيفواك باش يمكن لنا نحافظوا لنا على ديك الواحه هذا اللي ادوبليكي كاين اللي هضر على البروجي انتيغري On parle de l'Anzoua, de le concept que je dis, ou la dynamisation rurale, la dynamisation rurale, des zones de dynamisation. Jusqu'à maintenant, on a terminé l'étude, l'IMCHET, développement de l'axe de l'Ord. شكراً سي بشار شكراً باختصار سي كبير يعفاك يعني جد جد مركز شكرا 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 جزيلا استاذ فتوحي شكرا لجميع الزملاء والزميلات انا اللي بغيت نقول بان بغيت نشكر قبل ما يمشي السي محبوب بغيت نشكر اولا استاذ فتوحي اللي صبر معنا في لي دو بانيل وشت معنا هذا اللقاء وعلى التنشيط ديالو ورمى الاشاره ديالنا الاكسبيرتيز ديالو دونك انا شخصيا كرئيس الجمعيه واحد في الكلال بي او التراث كنشكر جميع الزملاء اللي تدخلوا معنا هاد العشيه هادي سي كريمي سي رباش سي
Bien sûr, c'est Ftouhi. كذلك كنشكر سميتو لو دويان ديالنا والسي محبوب لان عنده الالتزامات كان في الريونيون ودابا عنده الريونيون لان الله يكون في العوان كما قال المراه هو لونير ديالنا وكنشكروه بزاف كنشكروا الاخوان ديال لونزوا كنشكروا بداود الصديق ديالنا دائما ديال لوفيت وجميع الزملاء وكان وبغيت باسمكم جميعا كذلك بغيت نعبر باسمكم الى سمحتوا لي بان التضامن ديالنا التام مورا سيدنا على هذا الشيء اللي كيتمارس على البلد ديالنا وحنا حنا حنا الناس ديال التنميه وكنخدموا التنميه وما كنخدموش الا التنميه دونك باسمكم جميعا كنتمنوا لكم ان شاء الله صحه جيده وكونوا على يقين بان التوصيات سير حسن هاد التوصيات كلهم غادي نديروا عليهم لقاء باش نقدموا لكم التوصيات اللي خرجوا وغادي يتمر وغادي نديروا عليهم ان شاء الله مشاريع لان من بين الاهداف ديالنا شكون هو بغينا نرونفورسيو لو بارتناريا بين لا سوسيتي سيفيل اي لانستيتيسيونيل اي لي زانستيتو دو ريشيرش حتى دابا الى عيطنا هاد لي بانيليست راه واخا فيهم الصداقه ولكن فيهم سي ان اوبجيكتيف عندنا استراتيجيه ديالنا وبغينا ان شاء الله نديرو غادي نديرو الكلاسيفيكاسيون ديال توت لي ريكومونداسيون اي سور لا باز دي ريكومونداسيون اون فا مونتي دي بروجي ونقول لكم ديجا راه اتصلوا كاينين المؤسسات على برا اللي كينتظرونا وقالوا لنا راه الاشاره على هادشي اللي درنا دابا دونك ان شاء الله يلغى لاكسيون جوست ابري وسا سري بيان دو رونفورسي ان شاء الله وغادي ندوزو نرجع الى تصبروا معنا نهضروا مع علي متسا الى بغى السي الحسن الى السي فتوحي يعطيك الكلمه معليش يلاه ولكن بشكل جد مركز سي فتوحي جد مركز الله يخليك اوكي كونسي بريسي لو موديل دو ديفلوبمون لي كونكري كونسي اي كونكري تري كونكري وي ميرسي سي فتوحي ميرسي ا تو لي انترفونون دابور دونك بور لو موديل دو ديفلوبمون فريمون سي ان كونسيبت فونداتور et déterminant. Le modèle de développement, c'est question de politique. Donc, c'est la loi 111-14, 112-14, 113-14. Donc, les attributions de la commune, de la province et de la région, c'est de faire tout ce développement. Ça, c'est la première question. Donc, oui, c'est Ftouhi. Donc, il faut... D'abord, portée politique pour le modèle de développement. La région actuellement de Drata-Fulès, vous connaissez en quelque sorte la situation, malheureusement. Donc, il a tous ses attributions de développement durable, de préservation de l'environnement, de la promotion des chaînes de valeur porteuses, de développement humain, de recherche, de formation, etc. Donc, tout ce qu'on discute actuellement, c'est les attributions des régions par force de la loi. Et le Maroc a fait beaucoup de choses dans la décentralisation et la déconcentration aussi. Pour la convergence et la synergie entre les acteurs, essentiellement, c'est ce qui fait de l'énergie. C'est ce qui peut percer la pierre et convaincre toute nature de défi, c'est la synergie, c'est la convergence. Et la synergie et la convergence, il est normalement tripartite. Elle se base sur trois piliers. La société civile, parce qu'elle a cet atout de méditation, de réfléchir à haute voix, de liberté, de l'innovation, de la créativité. Et se greffe sur les stratégies nationales avec toute la dynamique économique du secteur privé. Donc, c'est les trois piliers qui peuvent faire de cette synergie une force. Pour la recherche scientifique, déjà les amis, on met sur la table quelques ingrédients qui peuvent faire de la recherche scientifique une recherche pragmatique, orientée action, qui magasif, tu as une recherche scientifique fonctionnelle, c'est-à-dire elle fonctionne, elle apporte des solutions, des alternatives, des réponses en termes de business model, en termes de projet, aux questions de la société, c'est-à-dire des recherches vivantes qui naissent dans les besoins de développement des territoires et des terroirs, et ce qui fait des recherches pragmatiques, utiles et capables de débaucher sur des business models, des projets de développement, etc. Pour les énergies solaires, les énergies renouvelables, vraiment c'est un grand créneau. C'est un grand chrono pour la région de Drahat-Fillas. À l'échelle mondiale même, on est amené à exporter, à alimenter, à diminuer notre dépendance énergétique de plus de 50%, etc., d'ici des dizaines d'années. Donc, on est amené à penser sur
un peu la recherche scientifique orientée économie de savoir dans ce sens et ingénierie, etc. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sif Touhi. Alors, pour terminer, je tiens à vous remercier. Vraiment, c'était une session très riche. Pourquoi très riche? Parce qu'on a assisté à une réflexion croisée. Nous avons croisé entre les différents acteurs concernés. Il y a l'ONSUA, il y a bien sûr l'agriculture, il y a le bassin, l'agence de bassin hydrologique, il y a l'université, il y a la culture, il y a donc c'est la richesse, mais c'est très bien de réfléchir, c'est très bien de produire des idées, c'est très bien de produire un langage très 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 joli et très, mais le défi, comme il a été sollicité, comme il a été exprimé par M. le doyen, on a besoin de rendre les outputs de cette réflexion commune dans des projets réels qui répondent aux différents challenges, aux différents défis que connaît notre milieu oisien en termes de la conservation de la biodiversité végétale. Vous avez parlé de la palmerie, la question de l'eau, la question de l'agriculture, comment cette agriculture doit être une agriculture amie à l'environnement et n'est pas destructrice. Et puis, un mode d'urbanisme, un mode de bâtiment qui conserve le patrimoine et l'identité. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier tous. C'était très riche. Je m'excuse, on a dépassé un peu les limites de temps, mais je crois à la richesse de la réflexion m'a poussé d'être flexible sous le contrôle des organisateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Thank you.